Bienvenue à En série de retour pour la nouvelle année. Yeah! C'est bien le temps d'en profiter. Allez, viens. Amir, il m'avait dit spécifiquement de préparer une bonne intro, le nouvel an, le champagne, tout ça. Mais là, j'arrive ici. Il n'y a pas de champagne, esti, so fuck it, esti. Pas de champagne, pas de bonne intro, juste la même marde que d'habitude. j'aimerais ça, ben t'as peu, on a décidé de parler de quoi de nouveau à chaque semaine. Là, aujourd'hui, je vais parler d'un album que j'ai eu pour Noël de la part de mon papa. C'est Enfant de la Terre, Samian. T'sais, j'ai vraiment aimé ça, ça m'a ramené... ça faisait une couple d'années qu'il n'avait pas sorti d'album, je pense. En tout cas, mais moi, j'avais ces deux albums. Puis j'avais un peu arrêté de penser à lui depuis ce temps-là. Et puis ça, on dirait que ça m'a ramené au MC que j'étais dans ce temps-là. Parce qu'il y a un côté que il fait du rap conscient, mais il veut être un role model. Il en parle souvent. Il veut comme... puis c'est comme très présent. À un moment donné, il dit « Je réinvente pas le flow, mais... j'arrive avec les bons mots, quelque chose de même. OK, mais c'est vraiment quelqu'un qui, tune après tune, tu vois qu'il est vraiment là pour passer un message. Et puis, c'est vrai qu'il ne réinvente pas le flow, mais musicalement, c'est quand même très intéressant à cause d'instrumentaux de DJ Org, en général, qui sont très hot. Et puis, des fois, il y a des refrains d'une certaine Esmeralda. C'est fucking hot, ça aussi, genre. All right! Et puis, fait que Samian, enfant de la fucking terre, le fucking est optionnel. Et puis, ben, coudonc, là, c'est ça, c'est quoi de nouveau? Check that shit out, tu vois la pochette, là, c'est très cute, très cute. Et puis, j'aimerais ça donner un shout out au Minotaur qui nous accueille encore pour une nouvelle année. Shout out à MK Evans qui nous donne probablement de la bière. Shout out à Favela Films et puis sans oublier Shadow Dreams pour la caméra. Et puis shout out supplémentaire au Minotaur parce qu'il arrête pas d'avoir des bons shows. Normalement je dis que tous les bons shows sont là, mais là j'ai vu qu'il y a des bons shows qui s'amènent au petit Chicago et tout. Faut être honnête et puis en parler. Aujourd'hui on reçoit un revenant, le cadavre de Caesar. Et puis c'est vrai, on reçoit aussi Amir Rose. C'est comme le spécial en série. Les deux, quoi, on peut s'asseoir. Ouais, mais toi, t'as. Moi, je suis pas important. Ben, ok, je m'assois. Quand on reçoit Caesar, puis oh oui, c'est vrai, Amir. Non, c'est ça. Non, ça colle. Juste le revenant. Damien, je vais juste. Puis on a. On a à peu près toute l'équipe de hors-série qui est là. C'est comme vous pouvez voir, on a comme un gros budget, fait qu'on n'est pas capable de se payer un autre caméraman. Ouais, ben tu sais, on se paye un trépied là. Faut que assez, je fasse comme la dernière fois. Là. Ben, ça, il s'est payé une petite manette pour contrôler sa caméra. Puis une bouteille d'eau, fait que ça va moins coûter genre 100 plus 1 $. Ouais, merci M. Kevin pour l'eau, man. Parce que vous réalisez que je suis le seul dans l'équipe de hors-série qui n'a pas une opération majeure d'être ouais! Malade! Toi, tu l'as eu à naissance, c'est ça? Oh, shit! Oh, c'est comme... je commence à m'inquiéter. Genre, peut-être que je suis le prochain sur la liste, là. Hey, cheers! Oui, santé! Bonne nouvelle année, guys! Cheers! C'est le fun! Il faut d'avoir du champagne, de la Budweiser. Merci! Je vais en profiter et vous dire merci, là. Vous êtes là. Ouais, hein? C'est pour toi, tu m'as merci à toi, tu prends la relève. Plaisir. Thank you, merci man. À toi. Plaisir. Alors, qu'est-ce que MK Evans, il n'y avait pas de budget pour le champagne, c'est ça? Ouais, non, c'est ça. C'est pas si cher que ça, ben oui. Mais. Du vrai champagne, c'était bien. Yo, moi, sérieux, je trouve qu'en 2016, hors série, man, ça a vraiment, là, comme. Ça a rafraîchi la scène au bout. Ben oui, ça fait du bien, man. Surtout la scène hip-hop, mais la scène musicale, je trouve que, comme, on a créé quelque chose, puis sérieux, je pense que le monde le voit, puis il en parle, puis je reçois beaucoup de messages depuis que je suis plus là, de monde qui se demande vraiment qu'est-ce qui se passe, comment ça t'es plus là, tu sais. What the fuck, c'est qui l'autre est-ce fuck out, genre? C'est quoi ce merde-là? Je l'écoute même plus depuis. Non, c'est pas ça qu'ils disent, là. Je vais juste laisser ça comme ça. Ben, du monde qui m'écrit, puis qui sont comme, c'est fou qu'est-ce que vous faites, tu sais, puis je trouve ça tâtant, là, comme qu'on a réussi à créer un média aussi... aussi rapidement puis facile. Ben, facilement. Non, c'est quand même tough, là. Non, man, c'est facile. Mais en même temps, c'est facile, hein? C'est pas si tough que ça, toi. Est-ce ben, pour moi, c'est assez facile. Ben, pour animer, ouais. C'est ça, je vous dis d'être un petit peu comme relax, là. J'ai besoin d'être...
arriver trop préparé. Là. Non. C'est sûr, c'est juste des conversations. Ouais. C'est ça qui est cool aussi. Ils vont comprendre si tu parles juste fort de moi. Hey, le mec il capte en table. Okay. Je te dis, là. Je l'ai mis au plus fort en plus. All right. On est bon. Là, si tu le montes, la voix va monter. Ouais. OK. C'est comme ça que ça marche un micro. Ouais, c'est ça. Faire, alors, on va le laisser faire, là. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce qu'il fait? Mm-hmm. Mais ouais, man, je suis fucking content. Là. Je... Il n'y a pas le nombre de views que je voudrais, là, mais... Ben. Ça va venir, là, on est déjà rendu c'est à... C'est peut-être parce que vous sharez pas, gang de motherfuckers. La 20, c'est la 21e, fait... Man, c'est fou, là. J'ai compté le nombre d'artistes, il y en a comme une quarantaine qu'on a c'est vu. Probablement que les estis d'ingrats dans notre fanbase, ils share pas assez de vidéos. C'est ça, si. Si, man, support the shit, est-ce que... Non, mais je veux dire, le monde, il, quand même, c'est nouveau-là. Je pense qu'il s'adapte. Puis juste le fait qu'on est rendu en 2017 et qu'on a commencé l'année passée, ça prouve c'est juste ça. Qu'on n'est plus des nouveaux. Je m'en rappelle plus quand est-ce que non, mais tu penses à ça? Ouais. C'est un peu après le lancement des tracks, parce que c'est au lancement des tracks que, ben, que j'ai parlé après le show DFP pour le cancer que Grimoire avait organisé. Après ça. C'est ça. C'était... Ben, c'est ça. Au show, au lancement des tracks, j'ai parlé à Phil, j'ai parlé du concept, il était super down. Puis là, moi, je m'attendais pas à ce soit down. J'étais comme, je dis, ah, hey, je pensais à ça, je devrais faire. Il est comme, ouais, quand tu veux, man. Là, je suis comme, oh shit, ok. Fait que, quand je t'ai vu au show pour le cancer, là, je t'ai dit, hey, man, Phil, il est fucking down pour faire un podcast. Puis. Ben, tout en parlait, là. Là, tout était down, là, je suis comme, ok, cool, man, si, je pense ça, let's go. Man, moi, je venais juste de quitter au cœur de la rue, ça faisait comme 3 mois, puis là, toi, tu pars avec ça. Moi, ouais, j'étais ça comme, sacrement, man, faut que je déjà que je reparte. Je pensais que ça faisait plus longtemps que ça, que t'étais plus là, je pensais que ça... Non, le sexe, c'est ça, c'est dit, c'est pas grave, je suis dans une couple de mots, me trouver un imbécile pour... c'est ça. Va faire semblant que, tu sais... Que c'était un gros travail, là, très ardu, ben non. C'était tout un complot pour plus faire en série, là, c'est tout. Ah ouais, tu sais, je me suis jamais fait ouvrir le crâne, tu sais, c'était toute une gamique. Il me demandait à moi-même de photoshopper sa cicatrice. Ouais, c'est un faux promo move juste pour sortir un album puis casser mon cœur dans la série. Non, c'est pas vrai, mais... gotcha. Mais non, c'est ça. Man, tu sais, fuck, on... Man, tu sais, fuck. Je... Rappelais-tu au début le gars qui disait « Hey, t'as-tu fait de « C'est genre »?»« C'est genre » Hey, j'ai dit « C'est genre » comme 1000 fois à la deuxième émission. Ouais. Il y a un gars qui c'est ça que le monde t'a reproché, genre. Ben, je pense que c'était la première critique pour de vrai. Ouais, là, c'était juste personnel. Là, j'avais ouais, mais ça que tout le monde dit ça de ce temps-ci, « C'est genre » comme. Moi, ouais. Ouais, c'est slang. Je sais pas. Mais tu te rappelles-tu quand j'avais... Parce que ça fait longtemps. J'ai repensé à ça avant, en m'en venant. Puis ça fait un bout que je veux faire ça. À un moment donné, j'avais été chez le coiffeur aussi, chez Barba. Je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, il y avait un coiffeur là, chez Barba. Ça. Oui, il était juste le local comme ouais. À côté du vote. Puis j'avais été me faire couper les cheveux, là, me raser la tête aussi. Puis j'avais jasé avec un peu longtemps. Puis je suis comme, man, si ça serait cool comme de faire un concept. Oui, d'émission. Chez genre, un barbier. Ouais, chez un barbier. Puis là, comme, ouais, je filme le gars en train de se faire couper les cheveux, whatever. Puis là, je m'en rappelle, j'avais fait une conversation avec plein d'artistes, puis là, je m'en allais le faire... Parler avec ton barbier, genre. C'est juste le problème, ouais, c'est que si tu veux un artiste, puis lui, il veut pas se faire couper les cheveux, genre, si tu, ouais, veux, tu le peignes, là, puis c'est ça, c'était pas trop... super gay. Le gars, il avait plus sa chope, puis là, je m'en allais faire ça au studio Hollywood Saint-Joseph. Puis là, j'avais fait une grosse conversation avec plein d'artistes, là, je sais pas si t'en rappelles. Je m'en rappelle, ouais. Je pense que c'était Ginoir que je voulais, comme, pour que fasse les entrevues. Ok, ouais. Mais j'ai pensé quasiment au même concept. C'était de faire des artistes, rappeurs, gangster rappeurs, idéalement, puis tu te fais faire une manucure puis une pédicure pendant l'entrevue. En buvant de l'eau. Fait que c'est ça, ça m'est revenu comme. Je vais. Ok, non, man. Ben là, c'est sûr, avec le podcast à Mike Ward, j'ai fait ok, non, je vais le faire direct de moi, puis ça marche, ça fonctionne, c'est facile, c'est pas compliqué. Puis là, 2017, je veux dire, on a les nouveaux podcasts qui commencent. Ouais. Plein d'artistes qu'on n'a pas fait encore. On va essayer d'aller chercher d'autres mondes, aller à Québec, aller à Montréal, plus aller chercher d'autres artistes, aller à Toronto. Sortir du rap. Ouais, sortir d'aller chercher plein d'artistes. Je vous prépare une couple de petites surprises. Là. Ouais, ben, ça serait le fun. Je pense que c'est ça, justement, qu'on devrait aussi pousser un peu plus la branche autre. Non, c'est ça. Je voulais commencer avec les artistes d'ici. Ils sont plus accessibles pour nous, vu qu'on rap, c'est ça. Je voulais pas... Mais rendu là, je pense qu'on est capable d'aller reach ben oui. Pour d'autres horizons. Puis là, il y a Filigrane et Word Up qui nous supportent, comme on nous a écrit, qui est comme super down. Fait que, tu sais, on va avoir peut-être de l'aide de son bord à lui et tout. Fait que, man, c'est shit, c'est parti. Shout out à Word Up. Puis là, on a Caesar qui est comme de retour.
Oui, je serai comme la SCAP qui va crisser son camp. Non, mais on va figurer de quoi pour. On peut co-animer ou peu importe, parce que t'es fucking bon animateur. J'aime ton style à toi, puis j'adore ton style à toi aussi. Fait que, ouais, les deux, on est bons dans notre manière. On pourrait quasiment faire les entrevues que lui a faites, puis ça serait complètement autre chose. Oui, t'sais. Exact. Fait que, c'est un peu recommencer avec lui, si on veut, puis moi, je suis déjà rendu ailleurs. C'est comme. On peut faire deux sortes de, podcasts différents qui peuvent être quasiment intéressants. Si tu sois trop triste puis que tu retournes dans ta vie plate. À ce temps que j'ai goûté au fame, le dernier podcast avec Anka puis le maniaque, man, il saignait du nez, man. Il est arrivé ici. Ouais, tu t'es chien du nez. Ben non. Il y avait comme 10 papiers bruns pleins de sang. Ah, c'était très bien. Il a fallu que j'appelle. Du vieux. Ouais, ben moi ça, le pire, ça a commencé dans l'autobus, tu sais, fait que je pouvais pas sortir. Puis j'ai passé tout le papier que j'avais dans les poches, puis tout le papier de... quelqu'un d'autre. C'était hilarant, man. Tout le papier, ouais, qu'il y avait, le conducteur avait... T'as tout volé son papier, de ce qui était... Ben, j'ai pas vraiment volé, là, mais ouais... Non, gros, ça pissait, j'étais comme... Ouais, ça coulait fort. T'étais-tu même dans le bus? C'est sûr que t'as rempli le bus de sang. Ouais, mais... j'ai un petit peu de sang qui est tombé sur le plancher du boss. Là. Mais, t'as infecté une coupe de main. Non, c'est juste, j'avais saigné du nez comme pas longtemps avant. Comme j'avais saigné du nez la veille ou quelque chose, puis là, je m'étais mouché puis ça recommençait. Puis ce soir-là, ça n'a pas saigné. Temps sec, peut-être de l'air, je sais pas, il y en a qui c'est ça. Ouais, ça a l'air que c'est un peu ça, je sais pas. Mais comme je saignais beaucoup du nez quand j'étais ado, mais plus maintenant. C'est rendu le thème de chaque émission maintenant. Ça va être, on va changer de nom. Scap 5. Hors série, le sous-titre, ça va être. L'histoire de Scap et de son saignement de nez. Saignement de nez. C'est fou, on dirait genre un chapitre. Ou comme une nouvelle aventure. Ou... Ouais. Je sais pas. C'est ridicule. Wow. All right. Non, on va parler de première question. Tout le monde veut savoir. Ouais. Avant de commencer, c'est sûr qu'on, vu qu'on est toute la gang dans la série, là, on veut parler dans la série, mais juste avant ça, on va parler de ton opération, comment ça a été tout ça, comment tu te remets de ça. Ça a bien été, man, pour de vrai. Juste avant de commencer, je sais pas si vous en rappelez, si vous me suivez un petit peu sur Facebook, j'avais fait un genre de comme statut où est-ce que je disais, ah, le monde qui porte des camisoles ou des genres de hoodies avec comme. Qui descendent bas en robe. Moi, j'aime pas ça. Je trouve ça un peu faggy. Je sais pas si vous en rappelez. En tout cas, non, je sais même pas de quoi tu parles. C'est chill. C'est pas grave. Je vais te mettre en. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, j'en porte une, gars. Ça donne une idée. Ça descend bas comme ça. Okay. T'as ça ici, puis c'est un capuchon. Ah, c'est pas payé, ça. Ça n'a pas, okay. Pas trop l'air de toujours, drôle. J'ai toujours trouvé ça fucking faggy. Surtout quand que j'allais, mettons, au Urban Planet. Et je voyais juste ça. Juste le wannabe, Kanye West, swag, tout. Mais là, il y avait T-Rex. T-Rex était comme, oh, non, c'est fucking, tu suis pas la vibe ou whatever, ou genre la wave de la mode. Oh shit. Puis ça, aujourd'hui, je porte ça, tu sais. Sur moi, j'étais comme, ben. Ah, qu'est-ce que t'es rendu en mode? Ouais, c'est ça, ben. T-Rex est quand même gay, là. T-Rex, il t'attaque avec un paquet de disques. C'est gros disques, c'est tes petites. Tu t'habilles pas à mode, genre, qu'est-ce d'autre qui disait, genre, tu penches pas assez, ou non, c'est pas... Quelque chose comme ça, non, c'était mais, que mais ça voulait dire, genre, je veux de battle, mais pour vrai, il est pas de gros, il est vraiment pas de mon level, là, comme, il est vraiment juste du level de mon gilet. Ouais. C'est on pas va mal... brûler tantôt. Ouais, c'est ça. Non, mais j'essaie de me rappeler, il y a quelque chose qu'il te disait, qu'il t'a dit à répétition, là, puis que j'en revenais pas comment c'était fait. Ah, il arrêtait pas de dire une affaire de... Comme, ah, toi pis ton percent body fat. Ah, il c'est arrêtait ça. Pas de dire le que. Le pourcentage de body fat, genre. Ouais, t'sais? Ça avait l'air vraiment important dans. Tu sais, c'est comme. Ah, oh, god, dans damn, son genre, genre de call out shit, là. Tu sais, c'est comme. Au P, tu dis que. Mettons, moi, quelqu'un me dit je suis maigre, ça a du sens pareil, mais c'est sur le body fat, genre, c'est un peu technique comme insulte. Hey, Phil, deux secondes, Phil. Phil, on va l'avoir en entrevue bientôt. C'est votre prochaine, je pense, right? Yes. Super beau, Phil. Uh-huh. Yes. C'est lui qu'il faut remercier. Quand vous venez ici, vous lui serrez la main, vous lui dites. Vous bow down. Vous lui dites merci d'avoir créé le Minotaur, Philippe, tu changes nos vies. C'est ça. Yeah. Fait quoi? Qu'est-ce qui se nouveau logo, 07 Battle, créé par votre own man de
Almirose Design. Oh, yo. Shit. Ça se passe, c'est le nouveau. Je viens juste dans le fond de l'upload sur la fanpage. Il est rouge, mais celui-là, il est blanc. Puis ça va être la nouvelle collection 07 Battles since 2011 qu'on va sortir. C'est en début d'année. C'est simple, c'est pas compliqué, mais on trouve ça fresh. C'est que l'équipe, on l'air à être down avec ça. C'est moi puis Joe Cousineau qui va l'aider la collection de linge qui s'en vient. Puis, vous allez vendre un paquet de linge? Yeah, on pense, là. On pense que ça va bien starter. Puis on verra, là, que, ouais, on verra que le monde, qu'est-ce qu'il en pense. Ouais. Mais on va avoir trois couleurs, rouge, blanc, noir. Puis on start avec ça. Puis les fonds, ils vont aller au scan. C'est un modèle pour s'acheter un char pour venir au podcast. Ouais, c'est ça, tu sais. De 07 Battle, ouais, financé, puis tout. Non, mais... C'est ça, là on est rendu là. Je pense que ça fait longtemps qu'on aurait dû sortir des t-shirts, mais là ça donne que c'est là que ça se fait. Ben, c'est ça, vous n'aviez sorti des Just Spit It là, dans le temps. Aussitôt que j'ai acheté un Just Spit It, ça a été down the toilet là, comme une suite après. Genre, ça a duré un an. Là, fait que... C'est pour ça que je l'avais. Ça n'a pas duré longtemps, Just Spit It. Moi, je suis dans ma tête, ça a duré longtemps. J'ai emmené quelque chose par rapport à Just Spit It, c'est vrai qu'on en parle. J'ai emmené des shit que je voulais parler avec vous autres. Là. C'est, dans le temps qu'on a créé Just Spit It, moi et Moralo, on a passé dans le journal Le Droit. Oh shit! Puis, faudrait l'avoir Moralo à Orsini. Ben, si tu veux, va à Château. Toi, je t'ai déjà interviewé. C'était ma première entrevue que j'ai faite de ma vie, je pense, c'était Moralo. C'était genre la première page. Je ne sais pas si tu te rappelles, ça disait l'art de l'insulte. Puis c'était Le Droit qui parlait littéralement de nous. Ça aurait été chill, dans le fond, t'aurais vu Just Spit It. Je l'avais vu, ça. Homophobie, sexisme, racisme et misogynie. Ouais. Tu sais, tu vois, ils sont out there pour nous faire un beau nom. Tiens, tu vois, Marne d'être là en le rap battle, c'est comme une bagarre à la sortie d'un bar. Compare Rémi Sainte-Marie, alias Filigrane, fondateur. Non, mais j'en reviens pas que le titre, c'est. Ah, mais c'est le deuxième titre. Ouais. Au moins, genre. À côté. T'as commencé par les pages 3 en page 2, mais c'est pas grave. Ouais, non, mais c'est un fait, là, que si tu connais la façon que c'est fait, les journaux, là, la page 3, c'est la plus importante, plus que la 2. Genre, c'est considéré que c'est la première chose que tu vois. Je suis pas très journaliste, ce côté-là. Mais c'était fucking cool, pareil, parce qu'on avait eu du gros exposure, puis ça a devenu gros, Just Spit It, vite. Ouais. Le lendemain, il avait fait un dessin de nous autres avec un petit kangourou qui cache son bébé en kangourou, puis qui dit comme... Laissez pas vos enfants regarder du rap battle. Non. Ouais, je me rappelle, lui, j'avais. On avait vraiment fait un tabac dans les médias. Il me semble que je l'avais dit, ce style-là, genre. Oh, ouais. Pierre Allard. Ouais, ouais, ouais. Ben, tu sais, ça a l'air d'un vieux qui s'en calisse bien, là. Tu sais, à la tronche. Après avoir entendu sur Internet quelques matchs de rap battle où la violence verbale et la torture de la langue règnent en maître, on serait justifié de se demander. Si les auteurs de ces diatribes vulgaires ont fréquenté l'école et ce qu'ils y ont appris. Wow! Holy shit! Tu dirais ça à Bouya, genre. Tu veux du fucking beef, man? Yeah. How about your boy, man? Fait que c'est ça, c'était super hard, là, dans les médias, pareil, naître. Wow! C'était pas facile, man. Ça, c'est dans la Just Spit It, pis t'sais... Bon, ça a duré un an, c'était 2010-2011. Hey, tu niaises pas, okay, ouais. Regardez la différence de bière là, qu'on a commencé à mettre. Ben oui, mais là, tu me grouilles, sinon on va perdre ma deuxième. Que t'as pas, là. Je suis pas si alcoolique que ça. Mais non, c'était fou, tu sais, avec Moralo, ça a super bien start. Le battle contre Meunier, battle contre Fred, après ça, les main events, tu sais, on résume bref, là, fait que c'était la naissance du battle rap, man, toi, contre Meunier, c'est là que ça a explosé, là. Ouais, vraiment. Ouais, c'est là que le monde, on regardait à Gatineau, souvent, le monde dit, c'est mon premier battle, je regarde. C'est spécial, là. Moi, j'avais vu toi contre Pello, là. Ouais, ben ça, c'était le premier event. C'était quoi le call-out avec Laurent? C'était qui, ça? Ben, regarde, le ballon avec Pello. J'avais vu un show pas loin d'ici, là. Ouais, on était au... C'est le bar, ils font jouer du rock, là, c'est ça? Ouais, comment ça s'appelle encore au... Donc? Non, ou quoi? Ouais. Ou quoi, je pense. Ouais, là, ou quoi? OK, juste titre, ouais. Oh, ouais. Le troisième bar préféré du village. Ouais, mais c'est ça, je participais dans la c'était fucky, là. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait... Ben, ça existe encore, là. On les a eu en entrevue, l'organisation Le Fouille, là. Ouais, ben, ils faisaient un genre de band, un concours de band. Moi, je m'avais inscrit. J'étais le seul rapper avec plein de band rock. Ouais, mais j'ai compris que tu callais out quelqu'un puis que t'écrasais un orange dans le processus, mais j'ai jamais compris c'était qui. Ben, c'était Lexique, c'est... Le gars que Giroux, il a body à Québec, là. Lex?
Non, Lex, ça c'est un autre dude. Lexic, il faisait partie de Boom Bastard avec Chrono, PG. Ah, c'est ça, c'était un dude. Il y avait un bon beatmaker aussi, Super Boom Bapper. C'est vieux ce battle-là? Ben, tu vois, c'est drôle parce que tu parles de mon premier battle avec Pelo, puis justement, ce battle-là, je l'ai fait, mais en team avec Pelo. Okay. Contre Chrono, okay, ouais. Puis Lexic. Ah, ça s'est passé à Drummondville. Ça me dit un petit quelque chose à cette heure. Ouais, Drummond, c'est un petit peu. Un autre truc que le monde a Mad Sleep, là, c'est le seul battle, à ce que je sache, de Snooze. Ouais. En équipe avec toi. C'est mon premier battle. Ouais. Ça, c'est ton premier. Oui, ouais. C'était à Gatineau. Là. Non. C'était à Québec, c'était pour le plan B3. Avec Snooze, ouais. Ah, oh, Snooze pis Caesar, ils ont fait un battle. Ouais. Je me rappelle pas contre qui, mais comme... J'étais contre les gars de l'art des facs à Québec, de Ross pis Critique. Ok. Ouais, c'est ces deux-là qui sont dans ce collectif. Ben, Ross, c'est un dude quand même assez heavy à Québec. J'ai déjà comme parlé à quelqu'un qui était comme « Ah, j'aimerais ça que le gars de la Lune battle. » Tu sais que Snooze, il y a du battle. Mais non, j'ai participé à ben, des battles que le monde, je pense pas qu'ils vont rebattle, tu sais, comme Snooze, District 11, entre autres, tu sais. Je sais pas si on va avoir la chance de revoir ces Snooze. Ben, peut-être plus Je dirais que District 11, il y aurait plus de chances que Snooze. Là. Mais c'est pour ça que je me considérais quand même chanceux que District 11 ait accepté de battle moi et Raph, surtout après un move que Raph a fait de le call out avec son t-shirt, tu te rappelles-tu? Ouais. C'était fucking. C'était moi qui l'avais fait le ben, c'était vrai que c'était toi qui l'avais fait. C'est vrai. Tu travaillais chez Barbuzz, ça. Ouais, ouais. Par défaut, c'est toi qui l'avais fait. Je suis OK, I guess. Le t'entends Bosco, fuck Almiro! C'était drôle. C'était mon travail, j'avais pas le choix. Ah non, mais c'est ça, il suffit. Même si quelqu'un arriverait et te demanderait de faire un t-shirt fuck Amy Rose dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas ce que t'aurais fait. Là. Peut-être t'aurais fait une exception. J'aurais lâché ma job. Fuck you. Mais tu sais, je pense que, tu sais, dans le fond, le beef avec Moralo et Just Spirit, comme pour de vrai, ce qui s'est passé, c'est vrai quand j'étais allé au cœur de la rue et je lui ai dit que Moralo, comme, il a mal géré l'argent. Ouais. Tu sais. À ce jour, je veux dire, j'ai encore la même version. Ça n'a jamais changé. Je veux dire, je suis arrivé chez eux, ils me disent j'ai plus l'argent qu'on avait après Just Spirit 3 puis Just Spirit Rouen. Ça se peut pas qu'à Just Spirit 3, on ait fait 3000 quelques piastres, puis qu'à Just Spirit Rouen, ça nous a coûté 3000 quelques piastres. C'est impossible. Ouais, là, puis à cette édition-là. Bon, de... non, Just Spirit 3, c'était plein. Mais ben, Just Spirit Rouen, il y a quand même une game. Fuck out. Ouais, ben, non, il y avait 40 personnes max, puis sérieux, j'exagère probablement. Bon. Fait que, tu sais, je veux dire, ça c'est. Mais tu sais, on est allé comme. Il devait pas avoir beaucoup de dépenses de notre côté. Tu sais, comme le pire, c'est que je pourrais te dire, ah, oh, ben c'est parce que ça a coûté cher louer des ventes, payer le gaz, mais ça c'est moi qui l'ai payé. Ouais. C'est pas Just Spirit. Okay. Tu sais, fait que c'est pour ça que Moralo, après, quand il m'a call out par rapport au rap, pis il était comme, ah, oh, moi je veux te battle, CISA, pis tout, pis là, tu sais, Junoir m'appelle, pis qui est comme, yo, Moralo vient de te call out live sur les ondes, tu sais. Ah, ouais. Moi je suis comme, tss, c'est un petit tatal, lui, tu penses que je vais le battle, man, ça n'a même pas rapport au rap battle, c'est de la business, man. C'est ça. Tu sais, je battle pas du monde over some personal business comme ça avec l'argent, là. Ouais. Ça n'a même pas rapport, c'est deux mondes différents, tu sais. Je vais battle. Qu'il t'avait call-out sur... Il me call-out, puis il m'appelle au téléphone, puis tout, là, yo, on est au cœur de la rue live. Fait qu'il t'a pris une moche volé un paquet d'argent, genre. Ben, dude, il me doit facilement 1000$, là. Ouais. Encore à ce jour. Bon, allô, paye tes doux. Mais, ouais, paye tes fucking 12. Le monde me dit tout, hey, t'as pas payé tes 12, 6 ans. Ça fait comme 15 ans que je paye mes 12, man. Moi, j'ai jamais volé personne pour être où je suis. Je dois rien à personne. Puis le monde me doit rien. Parce que je suis un dude qui fait. Après ça, tu viendras à l'émission. Tu viendras. Dans une émission où je serai pas là, possiblement que ça se capte. Parce que ça serait une bonne émission. Oui, ça marche. Moi, j'ai un petit potin sur Moralo. Là. Moi, Moralo, c'est le premier dude que j'ai vu spit comme. Moi aussi, c'est un Non, non, c'est un des premiers freestyles que j'ai vu comme avec plein de monde. J'avais été. J'étais un peu. Un des premiers freestyles que t'as vu. Ben, plein... comme que j'avais vu une gang. Tu sais, il y avait du monde, puis j'avais envoyé du monde, un cypher, genre. Mm-hmm. C'était. Comme vrai, tu veux dire. Il y avait un show. Ben, mais Moralo, c'est rap depuis quelle année, genre. C'est un des originales 07 Doug, là, Moralo. Ouais, là, ouais, il est un des premiers. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller avec lui quand j'ai commencé Just Spirit. Parce que j'étais comme, ben, Moralo, c'est legit. C'est un dude qui est là d'ici, ça fait longtemps. Le monde va le voir ici à Gatineau, puis ils vont dire, ah, c'est Moralo, puis CISA. C'est comme, c'est fou, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais. C'était fou et tout, qu'est-ce qu'on s'en allait faire avec Just Spirit. Ça a juste perdu. Mais Moralo, j'enlève pas le travail qu'il a fait avec, dans le temps.
Non, avec c'est ça. Dialect, c'est ça. Moi, de l'avoir en entrevue, pis... ça serait pas de parler du fucking beef. Là. C'est... Ben non, t'as pas le choix. Moralo, c'est un artiste. Puis il a fait bien les shit là, pour le 07, pareil, là, dans le temps. Ouais. Il était là, tu sais. Fait c'est quand même d'avoir. Fait juste pas faire une entrevue en même temps que lui, puis dramatique, parce que ça va être la pire entrevue de la vie. Fucking jeu. Non, en tout cas, fucking on en reparlera si on veut. Lui, il a pas ça va être comme. Ouais, mais quoi. Sorry, dramatique, man. Go, je non, mais dramatique, pour ça, dramatique, j'aimerais l'avoir. Ouais, ben dramatique, pour de vrai, c'est une légende, là. Je veux dire, ça n'a même pas rapport. Je fais un rire puis faire des farces, mais pour de vrai, oublie ça. C'est pas comparable avec Moralo, là. Je fais juste une joke à cause que c'est bègue, puis c'est des gens qui sont atteints de ça, puis... C'est juste que Moralo, c'est une marde, puis dramatique, c'est un dieu. Qu'est-ce que tu veux, je te fucking dis, sacrément de Christ, c'est ça la vie, OK? Même physiquement, il est juste la moitié de l'homme qui est dramatique. C'est vrai, c'est vrai. Au moins deux Moralo, un par-dessus l'autre. Non, non, OK, voulez-vous savoir mon potin sur Moralo? Là? Oui. Mm-hmm. C'est quelqu'un que je connais, là, pas d'une sphère de rap, là, quelqu'un qui n'a pas rapport, mais quelqu'un qui, ironiquement, est rentré dans la sphère de rap. Mm-hmm. C'est Joe King. Joe King était ami avec Moralo là, il y a comme 15 ans, genre okay. À Elmer, là, quand il entend qu'il était comme ado, je sais pas quoi, là. Mm-hmm. OK? Et puis Moralo, dans ce temps-là, je sais pas à quel point je devrais aller dans les détails de ça, là, mais on va se lancer. C'est tellement vieux, il peut zéro être dans le marde pour ça. Là. Mais en tout cas, ils ont runné, lui puis Moralo, ils ont runné un shit de bar underground pendant un petit bout, genre. OK. Et puis... Fuck ça, on va le couper, man. Et puis, en tout cas, trop fou, man, là je me rappelle plus comment c'est ça finit, mais ils ont fini par avoir de la merde avec ça, là. Ça a pas été très long. Là. Et puis, à un moment donné, ils se sont battus, Joe King puis Moralo, il a comme mordu Joe King, genre. Plus qu'un gremlin, Moralo. Ah ouais, il avait fucking mordu. Donnez-moi mon or! Okay, là, donne-moi là. Mon or! Yo, moi je t'aime bien, Moralo. Moi je t'haïs. Moi, j'ai pas de beef contre lui. Moi, j'ai plein de beef contre lui. Mais. Hey! Ouais, mais à part ça, man, ça va. Ouais, mais ça va, là, comme l'opération, de... ça se passe bien. Content comme... de te voir la cicatrice, ça part bien. C'est pas mal moins épais. Ouais. Ça a l'air d'un Ouais, mais c'est fucking new. J'étais comme, man, il va avoir ça à vie, là. C'est... Ben, les cheveux poussent bien. Ben, je veux dire, ça paraît même plus. Ben, tu vois le haut un peu, c'est là que ça a comme guéri le plus en ce moment, là. Ouais. Mais je te dirais de là, puis là, tu reviens ici, ça se ouais. sent plus vraiment, là. Ouais. Pis ça a vraiment marché. Il n'y avait pas de cancer là-dedans. Pis je trouve ça comme une fucking chance de Dieu, parce qu'il y en a que j'ai vu là-bas qui ont des tumeurs au cerveau cancéreuses, puis c'est comme, ça se fait ouvert comme le crâne aux deux mois, là. Oh, shit. Puis ils vont mourir, là. Fuck. Oh, ouais. S'ils sont foutus, ces gens-là, là, ils voient pas la vie comme on voit la vie, là. Ouais. Ils voient la mort, là, c'est tout, là. Puis, tu sais... Moi, je regardais ça comme vraiment la croisée des chemins, la plus comme, yo, pour vrai, j'aurais très bien pu avoir un cancer, là, ben oui. Puis mourir. Puis ta vie, elle change complètement. Ça, là, j'ai fait mon testament avant d'aller à mon ma chirurgie, parce que je savais pas que j'étais pour mourir, tu sais. Ouais. Fait que j'ai après mon AVC, ben, je l'avais déjà fait, mais j'allais rajouter des shit, là. Tu vois ça positivement, tu sais, si ça, il est comme Chris... chanceux, j'aurais pu avoir le cancer, le cerveau pis tout. La tumeur aurait pu être cancéreuse. Ouais. Tu sais, moi je serais porté à avoir le cancer, t'aurais pu rien avoir pantalon. Si, mais rendu là, ouais. Tu choisis pas, hein? Mais c'est ça, moi c'était un croisé de cellules, c'était une tumeur au cerveau bénigne, elle était pas maligne, fait que j'avais pas de cancer quand ils ont coupé le morceau pis qu'ils l'ont envoyé en biopsie, ils l'ont reçu pis... Fine, tu sais, t'avais ça toute ta vie, dans le fond, c'est à cause que ça a sorti, puis ton cerveau, il a grandi autour, puis c'est okay. coupé dans une place de mon cerveau, où est-ce que... Ben, tu sais, c'est pas de ça tout qu'il t'a toujours manqué un petit... Ouais, c'est peut-être des retards. Non, mais tu il enlève un petit bout, mais comme, il piquait partout autour, puis j'étais comme, puis je parlais pas bien, puis il était comme, oh, on peut pas aller là. T'étais pas endormi, fuck out, là. J'étais éveillé. Wow, les chiens! Tu voyais-tu comme un écran avec ton bras? Je voulais rien voir. Nice! Moi, je l'avoue, À chaque fois que j'ouvrais les yeux, je voyais juste la grosse tarpe de plastique, toute aspergée de sang. J'étais comme, yo, regarde. Ça va-tu être dangereux de t'endormir, il me semble?
ils veulent pas que tu t'endormes parce qu'ils font des tests vocaux pendant qu'ils coupent ton cerveau dans le corps. Ah ouais, t'es comme légume là. Ben moi, ils m'ont demandé, c'est ça. Ils ont dit, OK, on va faire un test vocal, Julien, tu nous entends? Je suis comme, ouais, j'entends, là, mais je regarde pas, tu sais. Ouais. Puis là, il est comme, OK, ben c'est des Anglais, toi, ouais. là. Puis ils sont comme, all right, ben parle, tu sais, dis n'importe quoi. Puis là, moi, je suis comme, je parle pas bien. Il est comme, oh fuck, tu sais, Ouais. Là, il touche dans mon cerveau, puis là, il touche au bout qui enlève. Il est comme, alright, t'entends ce que tu dis. Là, là. Fucky, ça? Parle. Là, ils sont fucking, tu sais, ils sont comme, ouais. parle, tu sais, je suis comme. Au cœur de la rue. Alright, tu sais, le moment live. Là, en série. Oh, non, mais écoutez, le moment là, je me suis dit, alright, it's live or never, là. C'est spit un track, tu sais. Ouais. Je spit un track. Damn, no man. Shit! Non, ils sont pas tant que ça. Les kills, mais comme ça, me tend pas là. Puis la chambre, ils sont comme, yo, ils sont un rapide brain fire, genre. C'est wow. Puis le docteur, il est comme d'un bord, il voit mon cerveau ouvert, puis l'autre bord, il voit ma face rapide, il est comme, yo, j'ai. Nice. Wow. Je sais pas comment vivre ça vraiment. C'est fucké, man. Puis là, il est comme. Tu sais, là, moi, je suis comme, fuck, man, faut que quelqu'un sorte un phone, mais tu sais, là, tu sais, pis qu'il filme ça, pis qu'il mette ça sur Internet, pis je fais comme millions de views, pis derrière, on a une star. Il rappe le cerveau ouvert. Mais les vraies choses de la vie arrivent quand les caméras sont fermées. Fait que, en tout cas, là, après, tu sais, ça se passe tout. Là, tout le monde tape des mains dans la petite salle d'opération, toutes les. Ils sont en train de un beat, là, pis moi, je suis comme, tu faudrait faire un vidéoclip de même, genre tu récris ça en vidéoclip, puis le monde commence à partir fou, la bière vole, là. Le vidéoclip commence, puis c'était comme, le docteur est comme, bon, là c'est mon stagiaire qui va s'occuper de ça, là, c'est sa première année, son premier stage, mais faut commencer quelque part, tu sais, si tu peux. Non, tu te la poses en plus la question quand t'es couché là, t'es comme yo, j'espère que c'est pas comme un gars qui s'est comme pas travaillé ou une fille. Non, c'est ça. Dis, oh, excuse-moi. Je renverse mon café. Non, c'est comme ça, serait super wrong. Puis en tout cas, là, après, je le rencontre, tu sais, parce que j'ai eu comme 35 points de suture. Fait que là, il fallait que j'aille les faire enlever. Puis là, je vois mon docteur qui est comme, il ouvre la porte, no cancer! Tu es super content, tu sais. Puis là, ma mère, on est oh shit! Tu es fucking content! Parce que là, on vit, tu sais. Ouais. Puis là, tu sais, il m'enlève ça, puis tout. Puis là, il est comme, tu sais, il est comme, that's a one-time life experience. I never, tu sais, c'est un docteur, c'est un professeur à Ottawa U qui enseigne à des neurologues, là. Il est comme, tu sais, ma mère est comme, oui, c'est l'album de mon fils. Il est comme, oh my god! Il est comme, tu sais, comme, il en revient pas. Là. Il est comme, wow! Tu sais, il est comme, signe-le. Puis je suis comme, yo, calme-toi, toi, signe-moi partout. Tu me fucking, tu sais, veux le crâne, tu sais. Il est comme, nice l'album. Ah, fuck, c'est matière grise. Premier CD. Non, mais. Tu sais, pis tu sais, il y a Quest là, qui était comme, yo, pour vrai, tu sais, c'est juste fucké que comme ton deuxième album sort comme quand tu sors de l'hôpital, il sort. Ton premier album, c'est matière grise, il y a un cerveau. C'est comme. C'est juste à part le temps. T'as-tu planifié quelque chose là-dedans? Genre, je suis comme, d'où? Non, c'est la vie, man. Tu sais, je veux dire, il y a rien là-dedans qui était planifié, là. Ouais. Fucking swear. Moi, tout, j'avais pensé à ça. Tu sais, justement, je l'ai amené, là, pour comme, pas prouver que je suis en out fucking around. Tu sais, comme. Tu sais, comme, il y a le cerveau dessus, là, tu sais, là, matière grise and shit, tu sais. Ouais, mais tu vois que c'est pas réaliste parce que. Il y a aucune tumeur, si tu checkes bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était l'autre côté, c'est ça. Ouais, non, t'as même pas de barbe, t'as même. Fuck all, c'est. Ouais, genre un alien weird. Pis là, ben, il y a le deuxième, comme vous avez vu, qui suit, qui est comme, tu sais, la suite de ça, là. Pis c'est quoi les autres, est-ce-tu? Ouais, ben, justement, j'en ai un autre, je me suis dit, peut-être que. Tu le School Street Mixtape? Là, le troisième, c'est son enfant. Avec. Enfant de la terre. Oh ouais, je l'avais ça. Ça, c'est un gros mixtape que j'ai fait. Ça, c'est quand je t'ai découvert. Ouais, j'ai été beaucoup découvert avec Curse dans le temps qui s'appelle C'est quoi aujourd'hui. School Street. Donc, plein de bitches partout, man. Ouais, je parlais des bitches. Comme je traitais tout le monde de bitches. Ah, t'étais un peu moins vulgaire, là, comme au point que normalement, quand j'ai ma petite dans le char, je mets pas de rap parce que je. Mais comme toi, je trouvais que c'était pas. Ouais. C'était pas très vraiment vulgaire, bon ton album pour elle. Ben, c'est pas comme tu te gênes pas de sacré si t'as sacré. Là. Mais. Ben, c'est pas mis en valeur beaucoup. C'est là. Moins vulgaire que dans le temps. Ouais, c'est ça. C'est. Oh my god, je l'ai plus, ça. À un moment donné, je me suis. Oh, mais ça, c'est un artefact, là, comme il est pas à vendre. Là. Il est encore emballé, c'est à moi. Puis, tu sais, je garde précieusement, à part si quelqu'un veut me donner 100$ pour dès ce soir. Mais c'est ça, là.
C'est quand même un vieux album. Puis j'ai aussi amené des vieux fucking flyers, man. Tu te rappelles-tu de ça? Ben oui, je m'en rappelle. C'est quand tu avais l'escape.net. L'escape.net! Check ça, man! Oui, oui! C'est fou, man! What the... C'était quoi, ça existe ça? Encore online, l'escape.net? Paix, liberté, amour. Ouais, ça existe encore. Ben ouais, c'est encore online. C'est juste que il y a un gros fort qui fait que je suis plus capable d'update le site. Mais je suis capable d'update, mais... En tout cas, y a l'image s'affiche pas. Puis il avait organisé un show de Manu Militari. Ouais. Il m'avait invité moi, Wizard X, District 11. Ben, Dope Crew, ça, c'est le crew à l'escape de Back in the Days. Nice. Back in the Days. C'est nice. Puis, Si je me fais un nouveau crew, et ça peut-être s'appeler Dope Crew encore. Pour vrai? Ouais, non, mais parce que le concept, c'était que le monde... School Street, on a fait un lancement, ça c'était à petite gueule dans le temps. Ouais. Ouais. Ah, ben à Gatineau, avant que ça existe plus, que ça se fasse défaire. Tu vois, c'était en 2009, ça fait déjà fucking 8 ans, man. C'était pour... C'est vieux, man, je suis matronge, gros. C'est des gangster là-dessus. Ouais, on était un petit peu trop chill, là. Puis on avait fait... J'avais fait un mixtape et tout, ça s'appelait Mange la marde, c'est ça? Volume 2. C'est volume 2. Parce qu'il y en a un volume 1. Ben ouais, surtout je l'avais, le Mange. Il y a une grosse crotte dessus, le flyer. On trouvait que la publicité était dirt. Moi, j'avais une idée pour vous autres. Je n'avais parlé à... Je pense que je n'ai parlé à Mars. Bizarrement, là, normalement, j'en aurais parlé à toi, là, mais ça donnait que Mars était là. Faut que j'aille. Ouais, Coriace, j'avais fait ouais, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, c'est toi qui l'as fait dans le temps, chez Barbuzz. Si ou quand vous allez faire un album Mange de la Marde 3 ou un mixtape, là. Oh ouais. On fera une toune avec moi que ça s'appellera Mange de l'amour ou quelque chose. Mange de l'amour. Mange de l'amour. Nice. Tu feras ça sûrement dessus l'Hip-Hop 2. Avec Moralo. Ouais, ben justement, dans le temps que moi et Moralo on s'entendait bien, j'avais invité toute la liste de numéros d'ouverture, tu vois là. C'était en quoi, ça, en 2011? Ça ressemble pas Coriace là-dessus, hein? Il est un jeune. Ben il a 12 ans. Changé. My God, c'est vrai, je la connais pas. Non. Coriace, vous voyez ça un peu, là? Ouais, il verra. Ça, c'était Coriace dans le temps que. Dans le temps que. Écoutons, dans le temps qu'il avait l'air plus jeune qu'un dans le temps. Aïe, aïe, man, what the fuck? What the fuck? On dirait MNX. Ouais, c'est ça, on était un petit peu gangster. Oh, wow! Calice! C'est vieux. Si, Monac, voyez-vous ça, vous autres? Ouais, moi pis Mars, on était pas mal comme. Collé. Pis comme. Collé. On écoutait beaucoup de Dr. Dre et Snoop Dogg. Vous étiez pas mal gelé. Vous avez pas beaucoup changé, dans le fond. Ben, là, waouh, là! Je suis plus autant ben, actif sur le joint. Ben, là, ok, là, mais t'as certainement pas la volonté de l'arrêter, là. J'ai ben, écoute, ton album. C'est ça. Aïe, aïe, man. Tu sais que j'avais l'air quand j'étais jeune. Aïe, aïe, what the fuck? Je sais, j'étais fucking jeune. Check ça! Aïe, tu sais, j'avais un gros fro, man. Oh my god! Aïe, c'est ça, j'étais vraiment jeune. Oh my god! Là, j'ai découvert le weed, genre. Oh! Tu dis quoi, là, oui? Man! Aïe! Je trouve que tu te ressembles quand même plus que Coriace sur sa photo. Ouais, mais là, s'entends, là? Comment qu'il fuck it, je me range la tête! Je range la tête, pis je porte du linge extra large! Ben oui, mais Fat Farm, come on, bro! Aïe! Ah, ouais, je sais. Wow! Ah, c'est fou, hein? Le shit fou, man! Pour être surprise de Caesar. Ouais, j'ai emmené des shit. Dans le temps, il y avait un magazine de rap français, ça s'appelait Groove. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ça se vend plus aujourd'hui. Là. C'est un magazine de rap français. Dans le temps qu'ils vendaient des popsicles à la bière. Mais c'est vrai, ça se vendait au Canada. Là, le magazine Groove parlait d'assassins, des groupes de rap français. Ouais, je m'en rappelle, j'allais à la librairie ou galerie en bas, puis j'ai checké. C'est pas qu'il y a des trous dedans, parce que je collais des photos sur mon agenda. Ouais. Net. Check, la publicité d'M&M en français. Oh, la publicité d'M&M en français. Ben oui, M&M Show avec la pub en français. Essayer de trouver de quoi de vraiment cool. Là-bas. Spectacle d'M&M, ben oui, tu sais. Public Enemy Back Again. Oui, mais l'article est en français. Ouais, les articles sont en français. Ouais. Ouais, je me rappelle, Groove, j'allais checker les. Retour aux affaires. C'est à partir de EPMD. Ah, c'était fucking chill, même dans ce temps-là. Il y avait beaucoup plus de choses hip-hop. Ouais, mais tu vois, il va passer aujourd'hui. Ben aussi, là, aujourd'hui, les magazines. Mais pourtant, le rap est au moins si big que dans le temps, apparemment plus big. Puis j'ai des. Tu sais, comme ça, c'est un flyer que j'ai fait en 2006, man, avec Yvon Crevé. Tabarnak. Ouais. Dans le temps, mes boys, on s'appelait UT Rec, Underground Thugs. Puis on faisait nos shows au garage. Underground Thugs. Ouais, le garage. On était fucking G, genre. Raph, t'es-tu déjà vu vous autres, là? Non, on l'a recruté plus tard, lui, il était pas gangster dans ce temps-là. C'est ça, c'est ça. Il est encore. Dans ce temps-là, il rappait, là. Il est encore sur la photo, là, de l'autre photo plus jeune, là.
Ah non, ben non, il était pas là-dessus pas, encore, non. Raph pas... est venu plus tard. Moi pis Mars, on est comme... on avait 16 ans. Ça et tout, on avait fait une... Les principaux adverbes de lieu sont ailleurs, alentour, autour. L'autre part, j'ai printé sûrement derrière un devoir pendant j'étais comme au secondaire. J'ai fait les jeudis hip-hop et tout au garage. Il y avait des tracks au Deep Production. Ouais, t'en parlais l'autre fois des jeux. C'est ceux qui parlaient de ça. Ça m'étonnerait. Non, je pense pas. On en a pas parlé dans l'émission. C'est les jeudis hip-hop. Ouais, les jeudis hip-hop, ouais. Les jeudis hip-hop, y avait-tu, c'était où ça? Hey, 3$ par personne qu'on chargeait. C'était pas l'affaire à Warta, ça? Non, c'est le garage. Non, non, mais c'est le quoi qui a parlé quand tu l'as dans l'entrevue, c'est ça? Qui parlait de ça puis qu'il y avait des tracks? C'est-tu de ça que je parlais? Je pense pas. Non, on parlait plus dans le temps du Cosmo. Oui, okay, sur site Alexandre Taché. Ouais. Non, PDP, excuse. Curse et Jinx, ils t'avaient choqué foutête, là. C'est quoi cette histoire-là? Non, non, non. C'est parce que dans le temps, on était même pas School Street en 2000, fucking 2006. Ça pas duré longtemps. C'est-tu vrai que t'as fait ton premier show avec... Attends, wow, regarde pas mes vieilles photos nues. Mais check ça, c'est Homicide Volontaire 2, c'était dans le temps que je runnais HH07. Ouais, c'est toi qui runnais ça. Grosse faute. C'est ben qu'on était là. Faut-tu que ça, la faute. Le gros T. T'es-tu game? T comme tiré. Et même pas genre... Déjà, à un moment donné, parce qu'on a... Attends, t'as mis, faut jouer ça. C'est en quelle année, ça, et tout? Pas de date, là-dessus. 2008, man. Ça va bientôt faire 10 ans, man. C'est laid. HH07, ça a duré un bout, man. Ouais. T, tu game. T. T, trait d'union, EST. Hein? J'étais vraiment bon en français à l'époque. Moi, je faisais copier-coller. Pour ceux qui trouvent qu'on est 8 heures dans 07, là, on s'en lave les mains. C'est ouais. Ouais. Puis qu'est-ce que c'est d'autre, man? Yo, garde, il y a eu un article de l'Assemblée et Samian. Nice. Quand on avait organisé un show pour eux autres, c'était sick, man. Yo, je vais pas tout vous montrer ça, là, mais man, regarde, contre le racisme et les préjugés grâce au hip-hop. Ça, c'est dans le temps qu'on avait organisé avec Ado Jeune. C'est le gars qui fait les. Qui est au TD, là. Ouais, ça ressemble à Organic, mais c'est Jinx de comme Gatineau. Yo, c'est vrai. C'est garçon. Ah, salut. Contrer le racisme et les préjugés. Yeah, what's up? Et les préjugés au hip-hop. Ben, c'est dans le temps que j'organisais la garde d'espoir. Ah, ben, le monde, ils verront pas sur. Non, ben, c'est ça. On a hâte de bien voir. Mais c'est bon, c'est, on, comme vous voyez, j'étais un archiviste rap très assidu. Puis le triangle hip-hop francophone, Détrac, c'était lui qui était là-dedans. Là. Détrac a tout le temps eu une grosse couverture médiatique avec le droit. Puis tu sais que ça a la tronche là-dessus, il était jeune, là. Il était vraiment jeune, jeune. C'est cool, quand le droit parle de Détrac, il parle pas d'homophobie et de misogynie. Ouais, ça fait du bien. Mais tu sais, quand il parle du rap, ils sont super corrects, mais Battle, pis ça, ils ont pas voulu s'embarquer là-dedans. À part Mathieu Bélanger, probablement parce qu'il voulait s'excuser de m'avoir fait un article fucking trop gangster pour que j'étais à l'époque, là. Yo, pour vrai, il m'avait comme dessiné comme un vendeur de drogue assidu, là. Ah ouais? Ouais, je me suis fait crasser par lui, man. Je pensais vraiment pas qu'il allait... Ah non, je l'ai pas emmené, man. Je l'ai-tu emmené? Ah non, ça, c'est mon cousin quand il a été le vendeur de voiture de l'année. Oh! Maintenant, c'est Righteous. Ouais, c'est vrai, c'est lui. Regarde, il fournissait l'école au grand complet. Oh! Mathieu Bélanger m'a fait un article de drogué, man. Puis comme, il me parlait du rap, il me parlait de ça sur l'autre côté. Puis c'est pour ça que des fois, les gars, faut que vous faites attention que les journalistes, ils cherchent pas à exposer votre talent et votre musique. Ils cherchent à exposer votre passé. C'est vraiment important. C'est là, moi, j'ai appris que... Ça, c'est... Quoi? Il fournissait l'école au grand complet. Julien en menait large en 2002. Il était autant admiré que craint par ses pairs. Attends, on te reconnaît en tabarnak, genre. C'est vraiment le gars plus. Puis la fait photo, connu, la là, plus quand tu faisais des shows avec Nacio, puis tout, il avait peur de toi. Genre, il était terrifié. Nacio, il pétait à gueule. Any days. Ça n'a même pas rapport. Donc, à date, c'est excellent. On peut pas arrêter de laisser ça. Là. Il n'avait que 17 ans. Et il était l'une des têtes dirigeantes d'un des plus grands, d'un des plus importants gangs de rue de Gatineau. Oh, wow! Sacre! Y a-tu on avait une petite crew, là, avec des petits bandeaux. Y a-tu un fucking fond de vérité là-dedans? Je l'ai-tu déjà expliqué, les bandeaux à Gatineau? Est-ce que vous saviez, à Carrefour? Tu sais, y avait genre Andy, la Ghetto, y avait la DPG, les bandeaux jaunes. Y avait. Ouais. On avait une couple de couleurs, là. La ND, c'était les bleus marins. Jaune, c'était DPG.
Il y avait nous autres qui étaient gris, la UT. Il y avait les verts, c'était Ghetto Soldier, vert comme forêt. Il y avait les bleus pâles, eux autres c'était la ghetto puis la ghetto bitches. Il y avait aussi. C'est facile, Steve. Puis on était assez. Les rouges, les bloods, il y avait les bloods qui étaient les rouges, mais les noirs, la LA. La LA, c'était en haut de la brosse. Puis là, ça se mettait dans l'école avec leur bandeau, puis c'est comme... Ben oui, mais ça existait, les gangs, dans le temps. C'est juste que ça existe plus aujourd'hui, là. On s'est vraiment identifié avec des couleurs à un certain moment. Aujourd'hui, Julien, 21 ans, il a quitté son gang. Il y a un peu plus de 2 ans. Il se rappelle cependant avec un brin de nostalgie du temps où il réussissait à écouler un once de pot 28 grammes par jour à la polyvalente. À 28 grammes par jour. Ça, c'est dur de vendre ça, genre. Ben, t'as-tu déjà essayé de vendre un once à l'école sur l'heure du midi? Ben, pas à l'école. Ben, pas nulle part, en fait. Ben, c'est ça. Tu sais... Non, mais c'est pas... Man, tu sais, comme... J'aurais dû fermer ma gueule. J'aurais dû être plus... Ben, fuck it, right. T'as-tu dit ça aux autres? T'as-tu comme des conséquences de J'ai pas... Pourquoi tu l'as rencontré et il t'a posé 10 millions de questions? Non, c'est parce qu'il m'a approché sur ma page MySpace d'artiste. Fait que moi, je pensais qu'il voulait me passer une entrevue comme pour Détrac, au journal Le Droit, okay, pour pouvoir présenter mon talent musical. Mm-hmm. Mais il a tout dépeint mon... Comme il m'a dit, OK, ben quand il me posait des questions puis qu'il prenait des notes sur son calepin, là, ben qu'il me posait à propos de la musique puis tout ça, puis là, il me parlait de la drogue puis tout, puis nanana, puis moi, tata, j'étais comme, oh, hey man, on est vendu du pot, nanana. Moi, un débarcadère, un once quasiment par jour, là, nanana. Tabarnak, deuxième page du journal, pow! Fuck ton rap, bro, man, c'est pas ça que je veux savoir de toi. T'as-tu des conséquences dans ta vie, comme ta grand-mère qui lit ça? Ouais, mes deux grands-mères sont mortes, mais c'est le clair. Droit, ça? Oui, c'est le droit. Oh shit, pis t'étais pas de page 3 pour vrai? Ben oui, j'étais page 3. Page 3 pour vrai. L'importance de ta page 3, ils voulaient tout que je sache, là. Page 3 de Seasogad... C'était super facile, dit-il, je fournissais l'école au grand complet, je me faisais environ 300$ par jour. Et les fins de semaine, c'était encore plus. Un fournisseur me livrait la drogue pendant l'heure du midi et à la fin de la journée, j'avais vendu toute ma drogue. Parles-tu du rap un moment donné? Ou... Il doit avoir faim, man, pendant deux heures. Ah, et by the way, il fait de la musique. En passant, c'est un rappeur. Ouais. Tu sais, c'est comme, come on. Oh my fucking God. Fais pas, sérieux, guys, là, c'est vraiment un... Moi, je vous le dis, j'ai rien à voir avec ça, puis je suis pas le seul. Ouais. C'est vraiment pas la première fois qu'un média essaye de... cracher sur un artiste pour pouvoir s'attirer de l'attention d'un autre côté. Parce que ça, c'est clairement ce qui est arrivé. Ce journaliste-là a été malhonnête avec moi, puis il m'a pas dit dès le début, est-ce que je peux faire un article par rapport au fait que t'as vendu beaucoup de drogue quand t'étais jeune? Non, c'est ça. Parce que moi, j'aurais dit, ben, je suis pas sûr que j'ai le goût que ça soit ça, mais quand le jour d'entrevue est arrivé, ça a été différent. Il aurait pas eu le droit d'exposer de même. T'as qu'à moi, t'aurais pu faire de quoi pour ça. Chris Mann, j'ai entrevu avec lui, puis il s'est allé. C'est sûr, mais quand t'as 20 ans... Les journalistes, ils connaissent le droit, pareil. Ouais, ils ont le droit. Moi, j'ai été chanceux quand j'ai fait mon entrevue et que... Le droit m'a fait une espèce bio, man. J'ai lu ça, j'ai dit, oh, fuck, OK, c'est nice. Ouais, mais tu sais, d'un côté, t'étais pas le leader d'une gang de rue importante. J'avais pas. J'étais juste comme avec bandos, une petite crew amicale avec lesquels. Je vendais pas de drogue avec eux. Oui, regarde, on faisait nos petites affaires que ça nous tentait, mais c'était rien de major, là. On n'était pas des big ass drug dealers, puis non, je finissais pas l'école au complet, tabarnak, tu sais. Bullshit! C'était t'as menti aux journalistes. Ben écoute, l'interpréter comme tu as voulu, là, au pire, il peut bien se défendre si ça y tente, mais dire que je fournissais l'école au grand complet, c'était son fucking titre, là. Ah ouais. Tu sais, on se calme, là, t'aurais pu appeler ça, je sais pas, jeune rappeur qui a eu un passé difficile, au pire. Ouais. Ça aurait été beaucoup plus plaisant à lire pour moi, mais quand j'ai vu ça, j'ai perdu toute confiance envers chaque journaliste avec qui j'ai parlé par la suite. Tu as gagné du street cred, genre? Mais là, à côté non, musique... Non, parce que même le street, t'es comme, de quoi tu parles d'aller faire ça, c'est mal vu, là. C'est mal vu, je me suis fait chier dessus, là. Les boys étaient pas contents. Côté musique, tu rappais dans ce temps-là, ça faisait-tu déjà longtemps que tu rappais dans ce temps-là? Ben, depuis 16 ans. Moi, j'ai commencé à 16 ans, j'en avais 20, ça faisait 4 ans. OK. Ça a commencé comment, ton... Ben, moi, à 16 ans, je veux dire, j'étais avec ma crew, on chillait dans le street, man, puis on fumait des blunts dehors, puis on voyait souvent à notre école des tracks, puis l'escouad. Okay. On voyait souvent aussi Sens Unique, Snooze avec Del Canterio, on voyait souvent Bless Soul, on snap petite danse Notre-Dame. Wow. C'était notre spot, c'était là que ça se passait.
Puis, ben, tu sais, quand que j'ai voyé prendre le mic, puis tout, puis ça calissait le feu, je veux pas, ça m'a inspiré, là. Puis moi, je me suis dit, man, tu sais, avec des tracks qui vivaient à deux maisons de chez nous, puis qui faisaient tout le temps des cyphers avec, avec les boys, tu sais, on allait là, on buvait, puis on fumait, puis yo, des tracks, ils tuaient tout le temps la planète devant nous autres, puis on était tous comme, des tracks, tu sais, genre. Puis avec l'escouade, dans le temps que des tracks a commencé avec son premier groupe, l'escouade, ben, il y avait mon boys Gab. Gabriel Synchronise qui était là-dedans, puis lui c'était un de mes vraiment bons amis. Là. Mm-hmm. Beatboxait comme une beast comme pendant des heures. Fait qu'oublie ça, on se pitait n'importe quoi. Puis là, à un moment donné, mon boys Goldie, rest in peace, il me dit: ah man, viens chez nous, on écrit quelque chose pour vrai. T'sais. Ouais. On met D12, on écrit mon premier verse, t'sais, puis ça a commencé d'une cave à quelque part chez un boys. On était gelés, puis on avait bu, puis on a décidé qu'on faisait du rap. T'sais. Nice. Puis on a fait mon premier show à Gélinec. Moi, j'étais fucking comme j'aimais vraiment faire des tracks par rapport à la drogue, la mescaline, le weed, l'alcool, le fort, la kétamine. Tout ce que tu fournissais le Québec au complet. C'est ça. Puis on a décidé, Joe Caz a eu la fabuleuse idée de nous inviter à faire un show à Gélinec. C'était votre premier show, ça? C'est notre premier spectacle. Puis on disait qu'on était gelés, puis tout, devant plein de gens qui essayaient de s'en sortir. Fait que c'était vraiment pas correct de notre part. Mais tout le monde a adoré, puis il paraît qu'on était bon. Joe Caz. Je suis pas sûr que je conseille. Joe Caz était fier de dire qu'il y a bien du monde qui ont fait leur premier show grâce à lui. Là. Mais lui, il était comme un jeune à fucking maison de jeunes, puis il laissait organiser des shows, il capotait sa vie. Deuxième show, c'était au Bistrado à Buckingham. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, ouais. C'est un genre de petit temps. Tu sais pas c'est quoi? Ah oui. Ok, j'espère. Puis, ben, Chris, voyons donc. C'était pas le show que Joe Caz organisait au Bistrado? Ouais, c'est ça. Il y avait des spots, puis on faisait des petits shows pour les adolescents, là. Ouais. Puis on trouvait ça fucking chill parce qu'on n'avait pas de spot, là, puis on était trop jeunes pour les bars. Mm-hmm. Fait qu'on avait juste les Bistrado. Puis mes shows de Garde l'espoir que j'organisais pour ados jeunes. C'est mon premier show que j'organisais, c'était Garde l'espoir. C'était pour ramasser des fonds pour le centre 24-7 qui donnait des lits aux jeunes qui n'avaient pas de maison, qui dormaient dans la rue. C'est pas le premier qui a eu tant de sens avec toute la Ouais, ben on a souvent parlé avec Pirates. Mais c'est le premier, ça? Parce qu'il y a plusieurs. C'était Garde l'espoir 1. Ouais, parce que le 2, c'était avec Sans pression. Ouais, c'est ça. Shit. Puis le 1, c'était avec. Il y en a un que j'ai fait le poster, je m'en rappelle plus c'était lequel. Mais en tout cas, t'en as même, je pense, le 47. Ouais. Parce qu'il y a quand même eu 10 et 10. J'ai quand même fait 9 ans chez Ados Jeunes d'organisation de Garde l'espoir. 9 et 10. 9 ans? Ouais. Shit. Une par année pendant 9 ans, puis j'ai commencé à 16 ans. Ah, ouais. Ouais. C'est rendu à quel âge? Ben, 31. C'est juste parce que moi, ça fait longtemps que je grind double. C'est ça, parce qu'après que j'ai fait Garde l'espoir, que ça avait fini, honnêtement, j'avais un goût amer de l'expérience parce que j'étais comme. Voir qu'Ados Jeunes, tu sais, comme il me porte pas un peu plus de reconnaissance pour comme mes 9 années de me dévouer à leurs événements. Je voyais que à cause que les écoles secondaires, à un moment donné, on les avait plus. Ouais, non, c'est ça. Ils ont refusé d'avoir des shows hip-hop. Ouais. C'était fini à Carrefour, à Nicolas Gatineau. Parce que non, mais ils ont compris que le rap, là, c'est ça qui cause tous les problèmes dans la vie. C'est pas le contraire, genre. C'est pas comme le fait qu'il y a des problèmes qui fait que ça va parler de. Non, mais ça va parler de shit dans le rap, genre. C'est le contraire. Vois ça aujourd'hui avec les jeunes, tu sais, qu'on était quand on était plus jeunes. Tu veux savoir ça dans ton école, ça faisait souvent de la merde. Moi, je me rappelle qu'il y avait tout le temps de la merde dans C'est sûr que, comme, mettons, dans le temps de Tonson. C'est rare que ça se finissait bien. Là, dans le temps de Tonson, ouais, mettons. J'avoue que, ouais, c'est ça. C'est sûr que Tonson, ça finissait rarement. Pas juste Tonson, mais. Non, mais il y a raison. C'était pas mal épais. Les gars, ils flashaient le heat pendant les. C'est parce que c'était mal organisé. On était dans nos débuts, j'avais 16 ans, là. Puis j'organisais des shows avec Tactica, avec Sans pression, avec C'est pathétique. Les estis gros doutes qui coûtent comme 1000 quelques piastres à faire descendre. J'avais 17 ans, là. C'est ça, là. J'organisais des gros shows, il y avait 600 personnes, là. Ouais. Tu sais, gère ça, toi, dans une école. Parce qu'il y a plein d'estis d'entrée, puis tu peux aller à l'étage, puis tu peux quasiment mettre une bombe si tu veux. Ouais, ça colle, ils ne veulent plus rien savoir de ça, eux autres. Ouais. Mais l'affaire, c'est que après 9 ans, j'étais comme, ouais, mais il y a plus que ça, tu sais. Il y a pas. C'est pas que les écoles secondaires. Je veux dire, j'aurais pu faire d'autres guerres de l'espoir, ça m'aurait fait plaisir. L'argent servait aux jeunes qui ont pas de maison. Ouais, c'est ça. Moi, je me sentais comme je m'en fous de pas faire beaucoup d'argent que ça. C'est pour eux autres. C'est ça. Tu sais, puis ça donne des spots aux artistes, mais
Je comprends qu'à un moment donné, à Dojen, après 9 éditions, peut-être qu'ils se sont dit « Ah, ben on devrait peut-être changer nos, nos horizons, aller ailleurs. Peut-être qu'on se tasse, peut-être garde l'espoir, tu sais. » Parce que passer de 600 personnes à une petite salle à 100, ben c'est peut-être pas leurs attentes. Mais l'histoire, à Dojen, sont bien gros dans le, ce qu'ils appellent le franc maniaque, là. Ben, ils l'étaient beaucoup à l'époque aussi, là. C'était déjà ça? C'était déjà ça. Puis tu sais, après, je veux dire, est arrivé Just Spirit, 07 Battle, puis j'ai toujours resté dans l'organisation. Mais la radio, c'est dans le temps de Just Spirit, tu faisais de la radio et tout, là. Ben la radio, ça a commencé pendant j'étais au 07, j'ai fait ça 2 ans, la radio, ça n'a pas duré longtemps. Ok, je sais pas si c'était plus longtemps. Ça fait pas, mais moi, j'ai fait de la radio pendant 2 ans et tout. Ouais. Mais c'était Le SCAP, il faisait ça à Real l'écho. Radio, c'était la radio. Oui, Real la radio. Oui. C'est vrai. Ah ouais, puis le gars, Vincent, il l'aimait au bout, là, il donnait beaucoup de props à le SCAP. Ouais, je me rappelle, ça va? Moi, je niaisais que personne n'écoutait le show en ondes, puis mon directeur de programmation était comme « Ta gueule, il y a du monde qui t'écoute, là! » Ah, mais tu sais, Real Radio, c'est assez étudiant comparé, mettons, à CHUO. Ça l'est aussi, mais c'est... Mais CHUO, ils ont leur FM, genre. Ouais, c'est ça. Mais comme Real Radio l'avait aussi, mais il y avait juste de 8h à minuit. Le reste de la journée, c'était un autre onde. De 8h à minuit, c'était eux autres. Moi, j'étais comme... Mais ça serait différent. Chill, vous devriez me donner de 8h à minuit. Ça serait différent si ça serait comme aujourd'hui, tu sais, avec Facebook et tout, puis de les écouter faut vraiment qu'il y ait ouais, peut-être qu'il y a quasiment plus de... Tu sais, comme... Même si t'es diffusé sur FM, t'es quasiment mieux d'être diffusé sur YouTube, là, puis le monde va peut-être t'écouter là. C'est ça. Je sais pas. Mais c'est dur de savoir. T'as-tu une idée combien de monde y écoute? Ben, je voulais voir, à cause que... CHUO, c'est quand même une station qui est reconnue par le CRTC. Le CRTC, c'est vraiment la société qui gère tout ce qui est radio au Canada puis au Québec. Ouais. C'est ça. Tu passes par eux pour avoir ta licence pour ouvrir une station de radio. Puis ben, eux sont licenciés, ça fait 20 ans. Là. Ouais. Puis, fait qu'il y a du monde, comme à un moment donné, Raph, il dit « Ah, personne écoute ça au cœur de la rue. » Je suis sûr que ça a l'air qu'il y a du monde qui écoutait à Real Radio. Ou c'est qu'il fallait aller sur le site internet pour écouter, là. Ouais. Tandis que là, tu peux l'écouter dans ton char, là, tu peux t'as dit, Raph me dit, déjà là, c'est pas léger. Ouais. Fait que, non, mais pour vrai, j'aurais pu demander, parce que c'est vrai que je me le demandais combien il y avait d'auditeurs à l'émission. Puis, ben eux, je pense qu'à toutes les années, ils reçoivent un rapport, là. Ouais. Même moi, s'ils le demandent ou s'ils le checkent, là, ça, je le sais pas pantoute. Mais j'ai jamais su combien de personnes qui écoutaient, mais je sais que la prison de Val-Tétro écoutait toujours. Ouais. Eux autres, ils écoutaient. Puis eux autres, ils étaient pas contents quand je suis parti. Ouais. T'avais dit qu'ils faisaient des appels là, pour... Ouais, ils te faisaient des demandes spéciales. Y a quelqu'un qui écoutait ça au cœur de la rue depuis que ces heures puis là? Moi, je l'ai écouté une fois. Là. La première émission qui était plus là, je l'écoutais. Ben, comme Junoir a déjà dit au podcast auparavant, ça a été remplacé par une autre émission. C'était Viac qui m'avait remplacé, mais obviously, FL, parce que sinon, ça serait encore là. Ouais. Mais c'est pas facile, hein, prendre ce rôle-là. Ouais, t'as pas le droit d'être en retard. C'est toujours à même heure. Peu importe ce que tu fais comme température dehors, faut quand même que tu te prépares ton remplacement si jamais t'as à être remplacé. Ben, c'est ça, 2017, là, tu fais un podcast aussi. Tu le fais quand tu veux, tu règles, t'as rien qui te... Oh, mais c'est pas plus facile de faire un podcast, ça prend quand même ton temps. Non, mais je veux dire, t'as pas de barrière. Ouais, mais c'est bien moins compliqué, t'as moins de barrières, tu sais, je veux dire. Moi, j'arrive chez nous, ça me tente de faire le montage aujourd'hui, je fais ben le oui. montage. Ah, t'as pas de compte à rendre à l'Université d'Ottawa. Alors, puis au CRTC, parce qu'au CRTC, c'est ça, tu peux pas sacrer. Ouais, il y a ça aussi. Ça me tente de tabarnaquer, je le fais. Super, on va essayer de faire la plus vulgaire de tous les temps. T'es timé, c'est comme OK, il nous reste 5 minutes. Puis, Non, mais c'est vrai, les podcasts, pareil, c'est vraiment plus cool que pour moi, personnellement. Moi, j'aime mieux l'expérience du podcast que de la radio. Ouais. Je trouve ça plus. Je sais pas, t'as plus de liberté. Ouais, tu l'écoutes. Moi, je les écoute soit en char. Des fois, là, quand je fais des long rides, j'écoute ça. Sinon, c'est à job, des fois, je l'écoute comme sur YouTube ou... Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Puis là, j'en écoute plusieurs. Avant, j'écoutais juste sur Mike Ward, mais là, j'ai commencé Joe Rogan. J'écoute un truc qui s'appelle les Drunken Peasants. Là. Ouais, tu m'entends, c'est vraiment excellent. Ils sont comme... en tout cas... Mais en ce moment, ça, c'est un truc intéressant. Genre, en ce moment, ils sont dans une bataille légale. Okay. Parce que eux autres, qu'est-ce qu'ils font, là? En gros, leur concept, c'est qu'ils font jouer des vidéos. Mm-hmm. Puis, t'as leur petite face dans le coin, genre. Sur le côté, mettons, t'as comme, sont comme 4 animateurs. Ouais. Fait que t'as comme leur petite face là, puis comme la plupart de l'écran, c'est comme vide. Mm-hmm. Ils font jouer des vidéos.
puis des vidéos mauvais, là, puis ils se posent, puis ils se moquent de ça. Ah, mais là, ils n'ont pas le droit pour... Mais ils ont le droit, il y a un truc aux... Ozzy Osbourne, je pense qu'il l'a pas au Canada. Je sais pas c'est quoi la loi au Canada, mais aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle Fair Use. T'as le droit d'utiliser du contenu qui t'appartient pas, en autant que c'est modifié comme que tu sais, ah, c'est comme une critique, genre. Là-dessus, j'essaie de... Moi, pour mes vidéos, ça fait de la film, j'essaie d'avoir les droits sur des vidéos. La grosse arnaque, là, la grosse arnaque, c'est si tu voles, ben, c'est pas voler parce que c'est fair use, mais si tu utilises de façon juste le contenu d'un nobody, genre. Ouais. Ça, ça va passer. Mais, parce que, comme, mettons quelqu'un utilise du contenu de hors-série et qu'il fait ça, genre. Ouais. Ben là, hors-série, tu vas faire une plainte, puis là, ils vont regarder, ils vont dire non, c'est fair use. Parce qu'il s'est modifié assez pour que ça soit très différent. C'est moi qui vais décider si je l'enlève ou pas. Non, ça, non, ça dépend. Comme genre... gars, le même exemple, c'est que moi, il y a certains artistes qui sont signés avec. Avec Moondan. Moondan avec Musicomanette. Bon. OK. Comme Stréconce, il y a Cold, il y a Meunier. Ouais, mais Stréconce sont plus là. Stréconce sont plus là, mais quand même, il y a encore certaines vidéos que. De certaines tracks qui sont encore avec lui, puis moi ça dit ah, la track ça t'appartient pas, ça appartient aux autres. Fait que moi je dis ben, ok, non, mais avec la track c'est pas à moi, mais la vidéo est à moi. Fait que là je suis en train de. Avec la musique. Je deal avec YouTube en ce moment pour dire moi j'ai les droits vidéo mais pas audio. Puis en tout cas c'est compliqué. Avec la musique c'est différent, ouais. Avec la musique c'est plus sévère qu'avec juste une vidéo, là. C'est ça. Mais ouais, en gros t'as. T'es supposé avoir le droit de jacker une vidéo puis de mettre des commentaires. Mais tant qu'il n'y a pas comme si les Drunken Peasants, souvent quand il y a de la musique sur leurs vidéos, ils baissent le son. Parce qu'ils peuvent se faire comme. Non, c'est ça. Sûrement si t'as juste une image. Mais là, ils sont dans une grosse bataille légale parce que quelqu'un essaye des sournoisements. Ils font ce qu'ils appellent un DMCA. Et puis, en tout cas, une grosse bataille légale. Ils essayent de comme fermer le channel. Mais juste parce que. Les autres ont des mauvaises critiques de leur son émission. En tout cas. Ouais, Drunken Peasants. Puis là, c'est quoi tes plans là, pour 2017? As-tu des plans? Ben là, je fais mon lancement de Pied de Vent, l'album Sid. Ouais. Je fais ça le samedi 25 février à l'avant-première. C'est 10$. Il n'y a pas de billet. Puis c'est mon retour sur la scène. T'as qui comme invité encore? J'ai Code, Quetzal et Bordel. J'adore. C'est les quoi? Outside I'm a Giant, Anka. C'est des gens avec qui j'ai participé, j'ai collaboré. Tout le monde, c'est featuring. Okay. C'est pas mal toutes mes featuring. Ok, ouais. Ben, il y a juste, mettons. Ouais, mais qui font une première partie. Il y a quelques exceptions, là. Ok, ils font une première partie. Oh, okay. Ouais. C'est la manière que j'ai monté ça, c'est que les premières parties ont deux tracks chaque. Fait que ça va faire, mettons, une heure de première partie, puis moi, je fais la deuxième heure tout seul. Ok, cool. Avec certains featuring. Du début de la première partie, ils vont pas mal tout à l'heure. Je trouve ça cool que. Mon main event shit. Je trouve ça cool que le show du lancement soit pas comme le vrai lancement, genre, comme non. Comme moi, comme. Par le temps que j'ai avoir le show, m'a connaître les tunes déjà. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça. Ben, il n'y a pas ça, c'est parce que je suis pas prêt, honnêtement, à faire en ce moment à cause de ma tête. Ouais. Puis, tu sais, je viens juste de recommencer à pouvoir comme sortir, là. Ouais. Ça fait juste un mois. Mais là, février, c'est vite, là. C'est dans un mois aussi. Oh, ouais. Tu vas être good pour là. Oh, ouais, ben, je sais pas mal, là, en ce moment, c'est quoi mon set, là. Ouais. Je connais mes tracks, ça fait déjà un an que je les écoute, là. Une chance, t'es pas mort, là, c'est-tu. Ouais. Parce que pied devant. Parce que pied devant, c'est une expression qui veut dire mourir, genre. Je serais pogné de fucking. Partir les pieds devant, ça veut dire comme il est mort, genre. Ouais. Parce que ça a l'air dans le temps. Ben. Ça a l'air, c'est même pas vrai, mais en tout cas. Ok. La rumeur, c'était que quand quelqu'un est mort, il se faisait sortir les pieds en premier, genre. Ouais. Moi, c'était plus la métaphore entre mettre un pied devant, puis le soleil qui passe, qui fait un trou dans les nuages en pleine fucking journée de marde, parce que c'est vraiment couvert. Un trou avec juste la lumière qui rayonne, c'est un pied devant. Ah, okay, ouais. Fait que c'est pour ça que tu vois, mettons, la lumière en arrière de moi sur ma pochette avec la vis. C'est pas pied devant. Toi, c'était plus comme un pied devant. Ouais, ouais, c'est ça. Pied devant, c'est vraiment le phénomène des nuages. C'est partir pied les pieds devant qui est une autre affaire. C'est ça. C'est quand t'es mort. Tu sais, en tout cas, c'était juste le jeu de mots que je trouvais sharp. Non, mais si tu serais mort. T'aurais parti pied devant, ça a été malade. Dans le fond, t'as manqué de la force. Après, t'aurais vendu comme 5 000 albums, là, pis... T'aurais comme Nassio aussi, t'aurais vendu...
quelques CD. Ouais, quelques. Ouais, puis c'est vraiment le cas en ce moment. Je n'ai pas commandé beaucoup pour être honnête avec vous autres parce que mon but, en tant que, je veux dire, maintenant un artiste indépendant qui n'est pas signé avec une compagnie de disques, ouais, c'était vraiment de ne pas en faire beaucoup puis toutes les vendre. Non, c'est ça. Puis de faire tout l'argent. C'était quoi ton expérience d'être signé par BBT? C'était une belle expérience, man. C'était vraiment, ça m'a vraiment commencé ma carrière pour de vrai, parce que j'ai fait 3 tournées au travers le Québec, comme toutes les villes, là, je les ai toutes vues. Puis avec BBT en plus, avec Roughneck, Chubby Pelletier, Fou Furieux, c'est là que j'ai rencontré Quetzal Bordel. Ça marchait comment ça? Il payait-tu à chaque fois qu'il fallait que tu ailles à quelque part? J'ai jamais eu une scène. Ok, ah oh, ouais. Non. Fallait que tu te déplaces. Je me déplaçais à mes frais. Hôtel, toute la patente. Non, le 3/4 du temps, j'allais, mettons, à l'autre bout du monde, puis je revenais le soir même. Tabarnak, oh, shit, malade. Je pensais que t'allais dire qu'il te payait l'hôtel. C'est ça. Non, j'ai payé l'hôtel au moins. Non, jamais. Mais j'ai déjà, ben, mettons. Tu pouvais pas comme. Rester, mais c'était pas. C'était ça. C'était pas mon gré. Eux, ils avaient sûrement un hôtel. Tu ne savais pas. Je sais pas. Ben ouais, on chillait après, mais comme. Tu sais, je veux dire, on. Oui, ok, aujourd'hui, j'ai une bonne relation avec Roughneck. On est des amis, on s'appelle, puis on prend des nouvelles. Mais quand que j'étais là, je faisais beaucoup mes preuves. Là. Ouais. À chaque fois que j'étais là, c'était. Je montais ma preuve un peu plus haut auprès de ces gars-là qui sont quand même encore à ce jour un des plus gros labels québécois du rap. Tu sais. Ouais. Fait que c'est pour... Je sais pas qu'est-ce qui sort de ce temps-ci. Fait que Roughneck, lui, si tu le connais un peu, tu sais que c'est un farceur malin, genre. Là, tu sais, là. Ouais. Ah! T'es fucking laid! C'est ça, c'est rough, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, c'est la mascotte de BBT, tu sais. Fait que moi, j'essayais beaucoup de faire mes preuves auprès de lui pour lui montrer que j'étais sérieux dans mon shit, que je niaisais pas, puis j'étais pas comme tes petits fucking rappers de marde qui l'approchent pour être signé avec BBT. Wow. Non, I'm the real deal. Ouais. Je vais mettre mon argent où est-ce qu'il est ma bouche. Sors-moi le petit plan d'affaires. Montre-moi ça marche comment sortir ça. Il me l'a montré comment. Il m'a tout montré. Il m'a dit, viens chez nous. Moi puis Jason Rogers, parce que c'est beaucoup grâce à Jason Rogers, ça c'est mon boy, il m'a aidé, il m'a présenté à Roughneck. C'est un gars de Gatineau, Jason Rogers. Puis pour vrai, je dois beaucoup, dans le fond, je dois tout à lui pour ça, parce que sans lui, j'aurais jamais connu Rough, puis Buzzy Boy, puis tout ça, tu sais. Mais une fois que, tu sais, j'étais allé chez Rough, puis qu'il m'a montré le plan, puis il m'a dit, yo, tu sais, t'es pas un gars subventionné, on va pas nécessairement, tu sais, on va essayer d'aller chercher des subventions, mais tu sais. Mais pas tes attentes trop élevées pour ça, tu sais. Ça se peut que le prix que tu vois en bas que ça coûte sortir ça, c'est toi qui vas le payer, tu sais. Okay. Mais j'avais un fucking big deal, là. J'avais comme 1500 copies distribuées partout au Québec. J'étais front page HHQC. J'avais comme 3-4 vidéoclips. Je payais le prix. Puis j'étais à plein de tournées. Puis tu sais, je veux dire, j'accédais aussi au prix BBT. Ces gars-là, j'ai arrêté les voir, ils m'auraient dit, ben, tu sais. T'es rien, tout si ça, je te connais pas, je te charge ça. Mais Roughneck va voir ce gars-là, puis il dit, tu vas me faire ça pour moi, on s'entend-tu que je pars déjà avec 3 pieds d'avance, là? Mm-hmm. Fait que pour ça, j'ai Roughneck, il m'a tout montré, il m'a même pris par la main, puis il m'a dit, ah ouais, vite, c'est là qu'on s'en va, puis tu vas mettre ton argent là. Puis aujourd'hui, je suis juste fucking content qu'il me l'ait montré, parce que j'ai reproduit beaucoup de sur le nouvel album. Mais en plus vite, tu sais. Mm-hmm. Ça a pris comme 3 ans pour faire cet album-là. Ils devraient les avoir en série ici. Ouais, ben, Ruff. Les Buzz Boys, ça serait fou. Moi, c'est un des premiers artistes que j'ai écouté. Buzz Bois, c'est bon. Moi, j'ai toujours dit Buzz Bois. Moi, j'ai bien aimé ça. Mais c'est pas Buzz Bois, c'est Buzz Boy. Mais ça, il dit Buzz Bois lui-même, des fois. C'est parce que c'est Buzz Boy. Boy! Boy! C'est pas du slang. Filme-le. Tu vas comprendre. C'est bon, cet album-là, même, moi, j'ai bien aimé ça. Fume-le, c'est un gros classique. Ces deux premiers albums, là, Bienvenue dans mon game, puis Fume-le, là, ça a pété. Ah ouais. Puis Ruff, son premier album aussi. Premier, deuxième. Moi, j'ai vraiment aimé, comme dans BBT, là, j'ai vraiment accroché sur, comme je dis, Buzzy Boy, les deux premiers albums. Blunt Touch. Puis Chubby Pelletier, quelque chose dans le style. Chubby Pelletier, en tant qu'il faisait Dis-moi que je mens. Dis-moi que je mens! Tu m'occupes pas de même, pas comme ça.
Ouais. C'était bon, man. Ah, c'était hard. Dans les débuts dans du temps, track. À l'âge que j'avais, c'était parfait pour moi. Ah, moi aussi. Mais là, après ça... On a à peu près le même âge. Après, le contrat, il est fini, dans le fond? Oui, le contrat est fini, c'était pour un album. Puis là, pour ça, t'as dit « fuck it », je ne rembarque pas là-dedans. Ben, c'est parce que j'ai... C'est pas payant, c'est parce que Prof, il m'approche, parce que là, il a son rapport, lui, de... il a son rapport devant lui, puis il a mes chiffres, tu sais. Il m'appelle, puis il est très... transparent avec moi, puis il me compte pas de love, là. Il me dit, regarde, c'est de même, tu vends sans album après une semaine. Ouais, ouais. Je suis comme, au Québec? Je suis comme, ouais. Je suis comme, ben, c'est sûr. À Gatineau? Devine, tu sais, genre, peut-être deux copies à Québec, trois à Sherbrooke, une à Shawinigan. Je peux pas me permettre de me payer une distribution quand mon produit est artisanal et non commercial. Ouais, c'est ça. Fait que je suis un artisan du hip-hop, puis aujourd'hui, c'est comme ça que je me considère. Je suis pas un produit commercial. Bon, on est tous. T'as dit en vendre 100. Mais me semble ton pied devant, là, t'as dit en vendre fucking 100 juste à Gatineau. Ben, 60, là, déjà. Ouais, moi je trouve que c'est bon pour un rapper gatinois qui sort un album. Tu sais, je mens pas à personne, j'ai pas à mentir à personne. Puis le pire, c'est que je me suis même pas déplacé ben pour vendre plus que 5 copies. Le monde sont tous mis chez nous. Avant ça, tu te déplaçais, là. Ouais, ben écoute, je me déplace encore. J'ai osé de donner ton... Tu sais pas, hein, mais j'ai osé de donner ton numéro de téléphone, là. À un moment donné, parce que la semaine passée, on a parlé de ton album, là, comme découvrir quelque chose de nouveau, là. Ouais. La semaine passée, c'était ton album, là. Et puis... Puis là, Amir, il est comme, c'est où qu'on va pour se pogner ça? Puis là, moi, je suis comme, ah, c'est pas, mais normalement, t'appelles 6 et va te l'amener, mais là. Mais là, je suis comme. C'est comme ça que je fonctionne. J'étais comme normalement, comme tu l'appelles, mais là, je suis pas à l'aise de donner son numéro, là. Tu vois que le style des pop ou Ottawa va mal quand il faut que tu textes l'artiste. Ah hey, non! C'est ça que c'est. Puis tu sais, la seule raison que je retournerais avec un label ou une compagnie ou peu importe, ça serait parce que la compagnie me subventionne. Je me trouve des subventions. Non, c'est ça, comme des tracks. C'est la seule raison que j'irais. District 11, ben là, District 11, je sais pas qu'est-ce qu'il se passe avec leur chiste. Ça donne pas grand-chose d'être fucking signé si... C'était pas souvent. C'est toi qui te finances pareil. Genre. Mais quand j'ai commencé, moi si j'étais avec. Pour être signé par fucking G-Unit, c'est toi qui. Non, mais demain, si je signe avec Silence d'or, là, ça va changer en tabarnak la game, là, mon affaire. Mais hein. Calice, oui. Là. Ah, mais Silence d'or pousse leur. Amiraus! Amiraus! Yo, vraiment, oui, quelqu'un devrait signer Amiraus, c'est le shit. Mais surtout Silence d'or. Hey, je viens de me rappeler qu'ils ont été supposés de parler dans la série. Là. Ouais. C'est quoi la date, là, vos souvenirs, vous regardez le plus là, de la série? Moi, ce que j'ai eu toi comme entrevue, man, ça m'a comme. Pour vrai, ça m'a. C'est comme ce gars-là, il est certainement meilleur que Susan. Non, mais pour vrai, là, je l'ai dit l'autre fois, là. Moi, là, je vais le filmer, je vais vous écouter, faire l'entrevue. Je vais arriver chez nous, ben, la journée même, des fois le lendemain. Là, j'exporte ça, je fais le montage, je le réécoute au complet, faire sûr qu'il n'y ait rien. Là, je le réexporte, je le mets sur YouTube, puis là, ben, je vais comme l'écouter une troisième fois, comme chill. Puis j'aime ça, je suis comme, ah, c'est bon, man. Puis chaque entrevue, là, depuis que c'est la première, je suis comme, ah, c'est bon, man. Ah, c'était bon, ça, aujourd'hui. Ah, man, est-ce qu'elle était bonne, celle-là? Puis à chaque entrevue, c'est comme. Demain, je me sens. Je sais pas, mais moi pour vrai, ça vient me chercher. C'est sûr, c'est pas tout le monde qui a envie d'écouter. Moi, j'ai découvert des artistes. Là, mais comme... si t'es un fan des artistes en Outaouais, Chris, écoute ça. Là, je veux dire, il y a plein d'artistes. Ah, c'est fait pour toi. Il y a très peu de façons de les découvrir. Comme Giroux me parlait de ça, je pense que c'est la première fois qu'un fan de Giroux peut voir un peu l'homme derrière Giroux. C'est ça, exactement. Puis c'est ça le but. C'est ça aussi. Le but, oui. C'est de, comme voir Giroux quand il chill, qu'est-ce qu'il a l'air. Parce que, tu sais, au début, comme que Amir avait déjà expliqué auparavant, c'est qu'il disait comme avec les DFP Star qui enregistraient, les rappers faisaient une track, puis c'était fini, tu sais. Ouais. Mais il y avait quelque chose d'autre de plus en arrière qui manquait. Puis hors série, comble amplement là, comme ce côté-là qui manquait avec les artistes. Moi, personnellement, c'était vraiment Manu Militari. Là. Ouais. Donc, mettre en avant lui, puis de le voir, puis de voir à quel point... De le voir demain. Moi, je filmais, puis j'étais comme, aïe, il est fucking down. Il était ridiculement à l'aise, tu sais. Tu sais, dans ma tête, Manu Militari, ça aurait été comme si tu poses une question. Mais les gens pensent qu'il est super froid, qu'il rit pas, qu'il est pas souriant, mais pour de vrai, Manu Militari, ce soir-là, moi, j'ai pas cru à rien de ce que j'ai entendu dire de lui. Ça, pour moi, j'ai juste comme fait « Ok, regarde, c'est quoi, j'ai aucune idée t'es qui Manu Militari, mais là, let's go, je vais donner la meilleure entrevue que je peux. » Juste comme, ouais. Puis je pense que
Écoute, je pense que c'est un succès. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas comme... C'est pas tant qu'il est froid, là, mais qu'il est pas comme... overly chaud, on va dire. Là. Il l'est, mais... Mais c'est pas les gens, ça a pas il vraiment de l'aise. Il est vraiment de bullshit. J'ai reparlé, je l'ai parlé avant l'entrevue, j'ai parlé après, puis le gars, il... Man, il a eu mon respect fois 10, là, il jasait comme que je l'ai jamais vu en entrevue, tu sais. Parce que Chris, c'est... Non, il c'est ça. Il va s'attendre pas à ça de lui, dévoiler dans le monde. Le gars a dit quand je suis à l'aise, pour vrai, tu sais, ça peut vraiment, vraiment bien se passer. Puis là, on l'a clairement eu la preuve. Là. Fait que pour moi, c'était la plus grosse entrevue que j'ai réalisée en 2016. Puis, tu sais, avant ça, l'année c'est d'avant. Coriace et tout, pareil. Ouais, en plus, dans la même année. Là. Ah, oh, oui. C'est fou. Ce qui arrive avec Coriace. Ben, Coriace, c'est dessus, là. C'est pas mal une des personnalités de l'année, là, au Québec. Ouais, là. Ouais ben, c'est sûr. Tu sais, yo, les médias sont rendus comme... Ils mangent Coriace. J'ai jamais vu les médias supporter un rapper autant que Coriace en ce moment. Ah ouais, il est vraiment... Il est aimé, vraiment. Il est chouchou comme que quelqu'un qu'on nommera pas a déjà dit. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment... C'est une bonne chose, je trouve, pour le rap, honnêtement. Mais, moi, ma déception, OK, de l'année, c'est fucking Dead Obese. Sorry, guys. Je comprends pas pourquoi que vous avez pas au moins dit allô... Je suis Yes McCann, puis Joe Rocca, puis tout ça. Quoi, en série, tu veux dire? Ouais. Ouais, mais moi, faut croire qu'ils ont des bonnes raisons. Comme non, non, ils ont des bonnes raisons, je comprends. C'est juste que c'est une déception. Ouais, ouais, c'est décevant, là, mais je vous dis... Mais I don't believe that shit. C'est vraiment... T'es au fucking Québec, là, viens pas me faire croire que t'es tellement big que tu peux pas faire une petite entrevue. Ça a pas rapport à ça, sur moi. Ça a carrément rapport à ça. Tu peux, au pire, faire une entrevue en tant qu'artiste et non en tant que Dead Obese. Joe Rocca, je peux t'avoir en tant qu'artiste, je peux t'avoir toi en tant que battler, tu sais. C'est ça. Sacrement. Moi, j'ai pas le choix de me fier à ce qu'ils disent, là. Pis ça se peut, là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est que c'est la première fois qu'on parle de ça en public, là. Je suis un peu mal à l'aise. Ben, moi, ils ont chuté vraiment dans mon respect avec ce move-là. Pour moi, pour vrai, Dead Obese, là, je trouve qu'ils ont changé vraiment pour le pire, là. À cause de des moves comme ça, pour moi, ça me fait perdre beaucoup d'espoir. Non, pour vrai. Bon. Yeah, hey, j'ai eu Manu Militari, on a eu Coriace. Non, mais ils ont quand même parlé qu'elle allait revenir. Pis c'était même pas une question. Ah, attends, m'a checké avec mon agent, voir. Lui, c'est la première chose qu'il a fait, c'est m'a checké avec mon agent. Je suis comme, OK. Excuse-moi, t'es rendu trop big là, pour faire une entrevue vidéo qui s'en va sur YouTube. Si on s'en calisse, là, ça s'en va pas, tout le monde en parle. Là. Ouais, non, mais. Ben, en tout cas. Non, mais on le sait pas. Moi, je repensais à ça, puis on le sait pas. Là, peut-être qu'ils venaient tous popper une I, puis ils sont comme oh, shit. Ben, écoute, ils m'ont dit, écoute, on savait pas avant, on n'a pas accepté à cause qu'on l'a pas su avant, on n'était pas préparé à ça, je peux comprendre. Non, mais moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est que. C'est rien de gros. Écoute, c'est hors série. On jase. Ah, qu'est-ce qu'ils réalisent pas? M'en viens pas essayer de trap. Écoute, tu vas me dire que c'était fait hier, puis. Viens ici de nous jaser 2 minutes, même si c'est 2 minutes. Ouais, je pense que c'est plus ça. Il était plus content de qu'est-ce que c'était, puis il voulait pas s'aventurer de. Parce que quand il a vu le setup, il a fait OK, c'est filmé. Puis il avait vu le setup, mais la deuxième fois, il a fait OK, c'est filmé, ben, m'a checké avec mon agent. Ouais, mais c'est, je sais pas. Que là, si... I guess que tu as l'éclairage, ta caméra, c'est comme OK, on va te poser les vraies affaires. Ben. Si non, il check l'émission, il va faire OK, non, c'est chill. En tout cas, là, c'est quand même une grosse possibilité que ce qu'il dit, ce soit vrai. Puis que, à cause de des grosses entrevues qui s'en viennent, ils n'ont pas le droit de faire de petites entrevues. Là. Ouais. En tout cas. Quoi, même que ça. Ah, c'est sûr que ça te nuirait. Mais c'est ça, c'est même pas c'est des entrevues. C'est sûr que c'est pas bon pour toi, là. C'est ça le pire. Là. Hey, c'est empoisonné, viens pas faire ça, là. Ça va nuire à ta carrière. Come on! Parlant de Dead Obese, là. Fuck Dead Obese. T'as-tu. Ben, ça, quand même. C'est en opinion partagée par... ça veut dire que c'est un beef entre Samian et Dead Obese. Ouais, il y a un beef. Oui, ben c'est pas comme Samian... tu sais, Dead Obese sont signés par 7e Ciel, qui est la même compagnie que Samian. Et puis Samian a comme quitté 7e Ciel et puis en claquant la porte, là, puis il a dit quelque chose genre... Ouais, continuez de vous occuper de vos petits boys band and shit. Genre. Et puis... Je savais pas que Dead Obese était dans 7e Ciel. Ah, t'es sûr là-dessus? Moi, je pensais qu'il était avec le gros label là, à Montréal, qui était avec Loud and Larry. Là. Audiogramme. Moi, je pense que Dead Obese, c'est 7e Ciel. Mais là, tu commences à me faire douter, mais il me semble que Dead Obese, c'est 7e Ciel. Il sait pas de quoi qu'il parle. Là. Ah, non, c'est moi qui ai raison. Comme quand il y a eu l'entrevue avec Giorgio, les Français, là, puis il était comme. Quoi? Tu m'as fait mon frère? Ouais, c'est ça que j'ai dit. Shout out, allez checker ça.
Ah, tu veux vraiment voir si Dead Obese sont signés avec 7e ciel. Dead Obese, 7e ciel. Ben, anyways. Ok, on gâche 2 piastres. J'enlève rien. Dead Obese, pour moi, c'est encore à ce. Tu sais, c'est le groupe 2016 Dead Obese au Québec. Ben oui, ça, c'est pas parce que je dis fuck Dead Obese que ça veut pas dire que les gars méritent pas ce qu'ils méritent. Ils ont quand même fucking fait ce que personne n'a déjà fait en tant qu'à moi, en tant que groupe de rap cab. Hey, j'en connais pas mon groupe de rap cab avant Dead Obese qui ont fait ce qu'ils ont fait, là. J'en connais pas, là. Ouais. Je suis capable de reconnaître. C'est pas parce que les gars sont des fucking dickheads selon CISA que ça veut dire qu'ils ont pas fait de la musique qui vaut la peine d'être reconnue. Non, mais moi, comme. Fucking bon, j'ai vu une fois en show, puis j'étais comme, oh shit, ok. Ils donnent des shows de fou depuis le début, man. Tu sais, comme moi, ironiquement, tu sais. Tu sais, comme j'étais supposé les avoir en série, puis finalement, c'est pas arrivé. Et puis, je pourrais être salty and shit. Mais, comme, ironiquement, c'est vraiment le contraire. Parce qu'avant ça, tu sais, j'avais pas porté attention plus que ça, là. Mm-hmm. Puis, là, en préparant l'entrevue, je me suis mis à écouter ce qu'il faisait, là. Puis, j'ai vraiment, comme. J'ai vraiment accroché, genre. Puis, je trouve ça fucké parce que, comme là, je pensais au genre de beef entre Samian puis eux autres, là. Mm. Puis, ils sont vraiment à l'opposé, là. Tu sais, Samian, lui, il est. Tu sais, son flow, il est extrêmement basic, là. Mais, comme. Tout ce qu'il dit, c'est du contenu, genre. Ben, Samian, je le compare à Manu, là. C'est, t'sais, ouais, ben, à certains égards. Flow, des estis bons textes. C'est monotone, mais c'est fucking real, tu sais. C'est ouais, real, mais c'est des bons textes, puis ça s'écoute bien, là. Mais c'est quand même. Il y a quand même des certaines différences, là. Comme, ouais, ouais, non, c'est ça, mais je parle. Mais ouais, ouais. Moi, j'ai respecté ça en estis. Il y a quand même des points communs, tu sais. Ouais. Mais tandis que Dead Obese, eux autres, ils ont certains très bons lyrics, mais. Ça n'a aucun contenu. Oh, à propos de. Ben, ils ont certains contenus, comme il y a une tune que ma tune préférée s'appelle. Voyons. Ah ouais. Oh Lord, ça s'appelle Oh Lord, et puis Snail Kid, il est comme. We made it, mais moi je travaille still salaire minimum. Tu sais, c'est vrai, genre, tu peux être dead obese. Tu peux être fucking dead obese, puis faire des shows fucking sold out au Club Soda. Puis de travailler on the side au salaire minimum, genre ça c'est le rap. Non, mais ça genre. Fait pas de sens parce que là ils sont big, mais ils peuvent pas faire des petites entrevues, tu sais. Wow, je suis big, mais je fais encore des petites entrevues. Chris, ils ont dit qu'elle allait revenir une autre fois, elles reviendront peut-être ouais, pas à cause de vous. J'ai hâte de voir ça. Alright, Dead Obese, j'aime Dead Obese. 7e ciel. Love Dead Obese. Dead Obese. Surtout Yes McCann. Give me love. Moi, non, mais ça a été une bonne entrevue. Là. Moi, j'ai fait chier ma vie. Ah oui, ça aurait été super bon. Plein de shit. Ça aurait été fucking nice. Pour ça, dans le fond, c'est juste parce que je suis fâché. Non, c'est ça, ça aurait été une bonne entrevue. Ça aurait été fucking cool, les avoir, la gang ici. Puis on aurait pu aussi avoir d'autres mondes qu'on n'a pas eu aussi pendant l'année, que c'est un peu décevant, tels que À la Claire Ensemble, puis Brown. Non, mais c'est tout du monde que je vais aller chercher là, pour 2017. Ouais. Ben, du monde de Montréal, il y a. Freddy Grusin puis Woodman qu'on n'a pas eu, qu'on était supposé faire, mais qu'on n'a pas eu le temps, qu'on était à Montréal. On était pas à bonne place? Les autres, ils étaient à l'autre, ouais, l'autre place, on était comme Chris, on peut pas aller au barbecue, est-ce, on était fucking pissed. Ouais, t'as les deux qui ont fait le genre de party tailgate, là. Ah ouais? Puis nous autres, on n'avait pas mangé de la journée, puis vraiment, est-ce qu'on aimerait aller au barbecue? Mais Freddy puis Woodman, on s'en va direct là-bas, quand on arrive là, on prépare le shit. Ils sont jamais venus, là, on faisait des entrevues. Il était au barbecue! Puis tout le long, il était là-bas. J'étais comme, fuck! Si, t'as pas l'entrevue là, puis moi, j'aurais pu manger en même temps. Mais non, si, je trouve pas c'est quoi leur label. Mais c'était nice, man. Leur label, ça s'appelle No Interviews Record. Fait que toi, quand est-ce que tu. Non, mais pour vrai, je vous aime pareil. Quand est-ce que tu reprends la place? Ouais, ben. C'est ça. Là, je suis content, ça va bien, là. Ouais. Mais je pense que ça sera pas vraiment avant le mois de mars. Mais que ce soit Dead Obese, tu sois invité, là. C'est ça. Ah, oh, mais. Ou Moralo. Non, ça, je te laisse ça, Scrap. C'est à toi. Ah, oh, my. Je te laisse la Scrap. Est-ce que je pense à faire Camille la face tout seul, c'est vrai. Parce que moi. Yo, Moralo, ouais, tout le monde. Moi, Moralo, veux-tu vous compte de quoi, ce Moralo? Tu sais, le show que j'ai organisé avec Manu. Le show que j'ai organisé avec Manu Militari, là. Ouais. Ouais. OK. Avant le show, Moralo, il. Ok, j'ai j'avais un de mes chums qui faisait. Il avait fait une toune où c'est qu'il jouait de la guitare, puis il y a quelqu'un qui jouait du tam-tam. Puis okay. Moralo, il décide, puis comme avant d'introduire Manu, j'étais comme. Quand c'était le temps d'introduire Manu, j'étais comme, oh, c'est vrai, j'arrête. Qui c'est que je dis pour introduire Manu, là. Puis Moralo s'en vient, puis il pomme le micro, puis je suis comme. Qu'est-ce que Moralo, il.
il pense que je suis pas digne d'introduire Manu, puis il a peut-être raison. Okay. Fait que je vais le laisser faire, ça va probablement être bon, tu sais. Marlo, t'es sous tête, genre. Et puis là, il est comme, man. Il est comme, alors comme moi, Manu, là, au début, quand je l'ai vu, j'étais comme, il y a pas de flow. Non. Et puis là, finalement, il dit, quote on quote, quote, je l'ai vu, là, après ça, je l'ai vu sous stage avec ses nègres, puis j'étais comme, ok, non. C'est bon, c'est bon. Et puis là, je suis comme, là, mais je suis comme, oh my fucking god, genre. On l'a eu en entrevue, mais lui, il a dû faire. Moi, je suis comme, c'est Moralo, c'est un des plus gros comme vétérans de 07. Je laissais prendre le micro quand c'est pas supposé d'arriver, pantoute. Puis il commence, first affaire qu'il dit, c'est que Manu, il y a pas de flow, genre, c'est comme. Oh, aïe. Tu sais, puis Manu, tu sais, il n'y a pas besoin de faire du. C'est son flow, c'est son flow, puis c'est nice, là. C'est ça. Ouais, Moralo avait le don de dire des choses inadéquates dans des moments là, tels que ceux-là, lorsqu'il est vraiment chaud. Puis, y a-tu quoi de nouveau pour 07 Battle? On va faire en ce moment, on travaille sur deux événements précis, là. Il va peut-être en avoir un de plus. OK. Mais le premier, c'est Redemption 3 au mois de mai. Okay. Ouais, on a déjà 4 ou 5 barrels de bouquets. Et puis il n'y a pas de mumble barrel? Non, sorry. Il faut que tu dises à Raf que ça se passera pas, toi, continue. C'est lui qui m'a dit. De mumble. Puis c'est ça, puis 079 en septembre. Je suis en discussion en ce moment avec certaines personnes de ce que ça peut rendre ça vraiment magique. Nice. Oh, ouais. Des gens qu'on n'est plus habitué de voir, que. Qu'il ferait peut-être pour le, comme de raison, le bon montant. Yeah. Mais je veux dire, aussi, c'est parce que je vais changer un petit peu les choses là, pour la prochaine édition du 07. Là. Je vais y aller selon l'assistance. Oh, ouais. Je vais voir comme le monde qu'il y a, puis je vais faire attention au salaire que je paye parce que je peux plus me permettre de te dire un prix, puis j'arrive, puis il n'y a pas le monde qu'il me faut pour payer. Tu sais. C'est ça. Parce que je me retrouve avec des 400$ à assumer moi-même mes frais, ça me dérange pas parce que j'ai toujours assumé les frais qui manquaient de ma ligue. C'est ma ligue. C'est moi le président, c'est clair que je vais payer ce qui manque. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est à moi. Puis, cette année, ce que je vais faire, c'est que je vais comme. Ça, c'est un conseil de filigrane. Il me dit, tu sais, vas-y par petit public, moyen public, grand c'est public. C'est ça. Paye tes MC comme ça. Tu leur payes soit ça. C'est ça. Puis avec le monde que t'as, tu le vois, puis quand même, ils sont là, ils voient, et tout. Ouais, ouais. Puis c'est ça, on va faire un 079 vraiment huge cette année. Mm-hmm. Là et tout, il y a une nouvelle ligue à Ottawa qui s'appelle Capital Rap Battle. C'est juste anglais. Ils viennent juste de commencer, ça fait pas longtemps. Ils nous ont approché au 07. Puis, ils ont appelé Quest, je sais pas pourquoi. OK. Mais c'est probablement parce que les rappers d'Ottawa, il y a beaucoup de wreck chez Quest. Ouais, non, Quest, il est ça, fucking huge à ce point-là. Là. Ouais. Puis, le président de la ligue, il dit, tu sais, il se passe-tu quelque chose à Gat avec le battle rap? Puis là, Quest, il dit, oui, c'est 07, tu sais. Ça fait des années qu'ils sont là, tu sais. Mm-hmm. Puis, on a parlé ça a l'air de... que le label de Adobe s'appelle Bon Sound, B-O-N-S-O-U-N-D. Bon Sound. Et non, 7e siècle. Mais, anyway. Je sais pas si j'ai inventé ça. Là, t'as-tu Wikipédia de l'Obi? Ouais, c'est ça que j'ai fait. C'est ça, même tête. Label Bon Sound. Je m'attendais pas que ça soit le 7e ciel dans le même label que fucking Manu Militari. Je m'en doutais. Oui. Ça m'étonnerait. Je pense que c'est Brown qui sont avec 7e ciel. Oui, c'est Brown qui sont avec 7e ciel. C'est pas de l'oubli. Ouais, t'avais pas plus raison avec ton diagramme. Bon sens. Non, je sais, mais écoute. Fuck is up avec Bon Sens. Ça aurait plus de sens hein? Ça que 7e ciel. Mais dans le temps de LLA, justement, Dead Obies était là. Tout. C'est pour ça, mais ouais, la Ligue d'Ottawa aussi, je savais pas ça. Ouais, ça s'appelle Capital Rap Battle d'Ottawa pour les rappers anglophones de l'Outaouais. Ils sont ouverts à les accueillir dans la ligue là, puis de battle rap Ottawa en anglais. On en a en tabarnak. Ah, il y en a beaucoup là, puis ça se passe direct dans le marché bail en plus les events. Wow. C'est parfait là. Je pense que c'est le People Nightclub. Ah, wow, ok, fait que là. Ouais, le gars, je vais dans pas trop long, je vais le linker. Yes. Je vais dire comme 07 Battle, nanana, tous les rappers anglophones à Gatineau, aller battle au Capital Rap Battle. Oui, man, t'as les gars comme Paul Rick. Qui sont déjà venus, puis qui reviennent encore, puis tout. Ça, c'est un ancien qui est au TD champion. Je veux dire, man, tu sais. On a Righteous, on a Misty Mean, on a. Ouais,
Oh oui, puis il y en a plein, là, que honnêtement, ils pourraient très bien faire leur place. Je me demande, je me demande, il faudrait jouer le niveau de la ligue, là. Puis non, je connais pas le niveau est-ce encore. Que je, est-ce que je serais curieux de voir Righteous? Mais au marché qu'est-ce qu'il peut faire en battle? Là? Mais tu sais, c'est Righteous, c'est top, genre. Righteous, il est bon. Ouais, mais il y a bien du monde qui sont bons en track, en battle, c'est top. Ouais, ça, non, faire, mais je pense que ça l'aide quand même. Là. Mais comme, ça mais c'est sûr que ça l'aide, là, mais... Righteous tout, serait tout, tout, que, ah, ça, tout ce que t'as dans ton baggage, ça l'aide. Ben ouais, ça dépend de l'adversaire et tout, tu sais. Tu vas gagner ou tu vas perdre, dépendamment de ton adversaire, si c'est... Tu sais, c'est qui c'est, genre. Mais au marché bail aussi, ils vont faire ça au marché bail. People Nightclub, je pense. Okay. People ou Maverick sur Rideau, je m'en rappelle. Ok, ouais, ouais, ouais. Puis c'est ça, cool. Le gars, il m'a demandé, « Hey, tu veux-tu faire un event avec moi? » Tu es comme quoi, un event comme franglais, genre? Ouais. Comme avec comme, des ballons en français et des ballons en anglais, il est comme, « Ouais. » Ah, ouais. Je suis comme... Ouais. Honnêtement, ça me fait peur, parce que je trouve ça comme fragile d'aller faire un event de l'autre bord à Ottawa. D'un, on n'a pas parlé business, de rien, je sais même pas si ça vaut la peine. Mais je sais pas si ça marcherait, s'il y aurait du monde qui irait voir des ballons en français à Ottawa. Bon, mais tu veux dire un français qui spit en français puis l'autre qui spit en anglais, genre? Non. Français contre français. OK, OK. Anglais contre anglais dans le même event. OK, oui. Comme oui. DMS, genre. Ouais, ça s'appelle. Ouais, comme DMS, genre. Oh, ouais, ça s'appelle. Mais... Moi, je pensais que c'est qu'est-ce que je viens de dire. Non, non, non. Il y a quand même une copie scène rap francophone à Ottawa. Ouais, ouais. Mais comme pour que, à mon avis, pour que ça marche bien, il faudrait qu'il y ait comme justement des gens de cette scène-là. Ouais. Qui viennent fucking battle. C'est ça, ça marcherait pas si ça serait juste des dudes du 07 parce que notre brand il est déjà fait en Outaouais, pas ben, à Ottawa. C'est proche Ottawa, là, mais c'est rare que les gens traversent pour aller voir quelqu'un de Hull voir un shit à Ottawa, ça arrive. Là, mais... Un an et demi. C'est ça, t'avais de rap, ça. Jase. Ouais, ben, c'est ça que c'est. Fait que... Mais pour ça, écoute, on peut pas parler de battle. Quoi d'autre? À peine. Ouais, t'as-tu des battles en vue? Ouais, ben, t'es avec clairement ta place au réveil, là, comme je sais que t'aurais pas pu, là, mais on est allé, puis ouais. C'était pas, ouais, toutes les ballons étaient fous, là. Ouais, j'aurais vraiment aimé ça, les faire, les réveils. Ouais. Filigrane le sait, mais il m'a beaucoup, au début, parlé, puis la manière qu'il me parlait, je voyais clairement aucune possibilité de me retrouver là, au réveil, parce qu'il disait, ah, tu sais, tu penses vraiment que tu mérites ta place là, tu sais. Ouais. Moi, dans ma tête, c'était oui, clairement. Ouais. Mais right, selon Word Up, non. Fait que, je veux dire, je me suis pas quand même assis là-dessus. J'ai quand même, tu sais, j'ai dit à Philippe, j'ai dit, selon moi, tu te trompes, hein. Ouais. J'ai dit, t'as aucune crise. Ben, moi, je trouve ça comme complètement fou parce que... Je croyais aucunement que j'avais pas ma place là. Mais comme le seul, comme la seule affaire, c'est que Philippe... Il dit ben gros, genre, comme, il aime ça, la révélation, donner le plus possible la chance à du monde qui n'ont jamais eu leur chance. C'est ça. Mm-hmm. Fait que là, je pense que son point de vue par rapport à toi, c'est que tu as déjà eu, tu sais, comme. Ben avec Raf une fois, ouais. Non, mais pas nécessairement, ouais, en tout cas. Peut-être que tu l'as dit, mais c'est comme, que tu n'as pas ta place là. Mais ultimement, qu'est-ce qui est mon goal, c'est que. Hope so. C'est comme là, je faisais l'avocat de Philly, là, mais. Qu'est-ce qui est mon goal, c'est que. Côté flow, genre, il y a. Personne dans relève qui te touche, genre, il y en a dans la grande ligue, là, il y a comme, c'est beau s'il y en a 5 à 10 là, qui flouent aussi bien ou mieux que toi, genre, mm-hmm. Dans relève, là, où ça, il y a personne qui te touche, là, côté flow. Puis, non, côté lyrics, t'es là et tout, genre, fait que je comprends pas, genre. Non, je réécoute, mettons, mes deux derniers battles de l'année passée, qui est mon battle contre BPP à la tournée Word Up à Gatineau, puis mon battle contre Greedy Boy, mais comme j'arrête pas de dire en joke, là, s'il y avait un nobody, qu'on connaît pas, qui avait commencé au DMS puis qui rappait pareil comme toi, là, et ça comme une révélation directe. Peut-être que c'est ça que vous voulez dire. Tu penses vraiment que tu as ta place au rêver, mais en voulant dire, c'est comme même, tu vaux mieux que ça. Là. Peut-être que dans ce sens-là. Écoute, ça sent quasiment plus. J'aimerais que tu aies raison. Ouais. J'aimerais que tu aies raison, mais la manière que Philly me parle en ce moment, c'est que je serais possiblement dans les prochains step-up, là, okay. des Word of Battle, mais l'affaire, c'est que je suis pas prêt de battle avant mon lancement, qui est en fin février. Voilà, c'est sûr. Fait que ça me fait... Tu sais, je me suis fait offrir de faire le showcase main event au prochain Word of Position, je peux pas. Puis je me suis fait offrir un spot au prochain step-up, je peux pas à cause que j'ai mon lancement. Ouais. C'est ça que je me focus dessus. C'est comme j'ai une heure de show à livrer là, après mon opération, je pense que c'est mon ultimate test. T'sais. C'est ça. Mais après, je veux battle T-Rex, je veux y défaire sa face de fucking Ledron Swagfag, fucking Gaytag qui va se faire démolir puis va finalement fermer sa gueule sur l'internet. Ouais. Puis je veux aussi battle Esquiz.
C'est deux dos de la relève. Ouais, c'est drôle que tu tousses. Puis c'est ça, c'est... Deux dos, tu veux battle parce que je vais pas battle, exactement. Je suis rendu au niveau d'où est-ce que, tu sais quoi, man, je vais plus dans battle des top tier ou des dos de levée plus haut que moi si c'est pas word up. Fuck it. Au 07 ou dans les autres ligues, MC Fight, je vais battle des dos de la relève. Puis je vais attendre que ça se passe au word up, les gros battles. Oui, parce que c'est le genre de roi, ce battle-là. Ah, il est un jeune fin finaux, il est tannant. Il arrête pas tout le temps à dire comment est-ce que je devrais vivre ma vie, puis commencer à critiquer tout le temps. Lui, il dit qu'il voit pas ça. Mais fuck that, moi je le vois, il me tombe ses nerfs. Il m'a étiré les cheveux. Ouais, mais c'est un gars du 07, j'ai jamais vu un gars. Dis tout le temps que 07, qui est autant anti-07. C'est ça, va-t'en, man. C'est normal, t'es parti, on t'aimait pas, on te voulait pas, tu toussais tout le temps, tu nous donnais la grippe tout le temps. Ah, ok, ouais, je juste pour ça, tu viens de figurer de qui on parle. Ouais. Non, mais moi, comme... Tu sais, c'est pas en train de prouver une shit à côté d'Esquille. À côté d'Esquille, j'ai lancé à vous qui... Comme des fois, l'autre fois, je pensais à comparer mes cheveux à ceux de Filigrane. Tu sais, Filigrane, il a vraiment des beaux cheveux, là, comme une fille, quasiment. Velouté, là. Ouais. Tandis que moi, j'ai des cheveux longs, là, c'est mais lui, comme... il lave, c'est pour ça. Ah, c'est ça, là! Ah là, j'ai lave mes cheveux. J'ai peigne pas. J'ai peigne pas ben, là, mais j'ai lave, là. C'est pas grave, on disait juste que les cheveux, man, c'est... Je trouve que les cheveux d'Esquisse sont à chier. Ouais. C'est ça, mes ballons. Hey, j'ai une question pour toi. Ouais. Côté money, là, parce que tantôt, t'as été comme super upfront, là, comme personne n'a été upfront de même sur comme le combien d'albums t'as vendu la première semaine de ça. Seul deal, ouais. Fait que, à date, là, combien d'argent que t'as gagné et ou perdu avec les ballons? Puis est-ce que ça changerait de quoi si t'aurais le 1000$ de Morano là, qui t'a volé, genre? Ben, ça ramènerait pas mal la balance à Even, là. Je te dirais qu'à date, avec... Oh non, mon Dieu, ben non. J'ai mis bien plus que ça dans le 07 Battle. T'as eu certaines subventions qui... J'ai déjà invité dans un même 07 Battle Soulja, Freddy Groose, District 11, tout ça. J'ai avec toute la salle, avec tous les flyers, tout, ah, tout Soulja ça. Ah, Soulja est en show. Ouais, c'était 07-2. Ah, ouais. Ouais. Ah, ouais, je me rappelle de ça. C'est quand t'as battle Freddy. Ouais. C'est comme. Est-ce que c'était malaisant? Ça, j'ai perdu. C'était malaisant. Ça, j'ai perdu beaucoup d'argent. Soulja en fucking show, genre, pis le monde sont comme, OK, il y a un break de battle, je m'en vais fumer. Genre. Voilà, c'est ça. Tu sais, il y a comme presque personne qui reste pour Soulja. Mais c'est comme quand ils ont fait à Word Up, ils ont fait fucking DJ Premier, genre. Pis le monde sont comme, OK, Meunier Saint-Sous, c'est fini. On s'en va, genre. Il reste personne pour DJ Premier. C'est comme, Non, c'est ça, le monde est... Comme je l'aime, là, Meunier, là, mais... Si Meunier ferait un show en même temps que DJ Premier... Ben, tu sais, j'ai beaucoup appris pendant le 07 Battle, parce que je me fiais pas sur personne, tu sais. Je veux dire, dans les events Just Spit It, je veux dire, au pire, je me disais... Je sais pas pourquoi je me disais ça, mais je me disais, ah, mais OP Moralo va m'aider, tu sais. Mais... parce que tu connaissais pas j'avais encore. Pas fait de trou encore. J'avais pas fait de trou de Just Spirit 1, 2, ouais. 3, j'avais jamais connu un trou, je faisais c'est juste ça qui fait chier, genre le bout que tu faisais plein d'argent, ouais. C'est comme Moralo qui est parti avec puis qui l'a dépensé dans le coach. Ben, quand on avait deux éditions de fête, on avait des business qui commençaient, on avait sorti des t-shirts, on faisait d'autres argent que ça, ouais. Nos billets vendaient sans arrêt, on s'en allait ouvrir des divisions dans d'autres villes, on était partis on the fucking way, là. Ben oui! On avait des plans, là, and shit was going well. Mais là, ça a tout comme back! Ça a commencé avec Radio-Canada. C'était quoi cette idée-là? C'était quoi cette idée-là que Morano s'occupe de l'argent? Tu t'en rappelles de ça? Ouais. Ouais, l'entrevue avec Radio-Canada. Ouais. Word Up a été calissement insulté. Philly était parti battle FG. Ouais, c'est sûr que tout fuck up, genre. C'est que Word Up s'est désassocié. Ouais, ouais. Mais c'est pas grave, parce qu'avant qu'on se désassocie, on avait déjà présenté Just Spirit 3, puis l'event n'était pas fait, puis on a eu notre plus gros event. Ouais, ouais. Mais le P. Dans cette histoire-là, moi je me rappelle, c'est que le monde était mad parce que vous aviez pas shout-out Word Up. Ouais. Mais Word Up était pas mad pour ça. Word Up était mad à cause que Moralo, il avait talk shit, en privé, mais ça avait sorti en public. Là, le gars comme cool comme qu'il était, là, il avait sorti la conversation privée avec Moralo en public. Puis Moralo, il talkait shit, Word Up, ils ont peur de nous autres. Ouais, il a beaucoup exagéré le truc, là, Moralo. C'est une bonne chose que t'as... Là, il est vraiment c'est... mauvais en PR. Voilà. Depuis ça que je suis tout seul, même si ça m'a coûté plus cher être seul, mettons, avec 07 Battle,
j'en ressors, je trouve, beaucoup plus la tête haute. Le pire, c'est que ça aurait tellement... qu'avec Just Spirit. À quel point Moralo il t'a aidé, là, tu sais? Je pense qu'au début, si je me trompe pas, là, tu me diras si je me trompe, là, mais toi, tu t'en allais partir ça, puis ouais. Moralo, il a demandé de se joindre à toi. Ouais, genre. C'est ça. Ouais. Fait que t'aurais pu dire non, là, puis probablement que ça s'appellerait encore Just Spirit. Que... Probablement. T'aurais comme fait pas mal plus d'argent, genre. Pis... Oh, ouais. Ben écoute, aujourd'hui je sais pas que j'aurais fait, mais ben, c'est clair first, que ça aurait fait le 3 000$ que Moralo t'a volé. Ouais, ben 3 000$. Ben, je guess qu'il y en a tué 1 500$ qui était à lui. Ben écoute, mais dude, comme... c'est ça, c'est que ça s'est pas passé comme ça aurait dû, fait que... Ben, non, whatever, whatever. Ça aurait pu se passer mieux que ça. Ben mais... t'sais... Mais je veux dire, Moralo, au level où j'étais, même s'il avait fait des bad moves, c'était encore un chum, pis c'était encore quelqu'un avec qui, genre, j'étais comme prêt à dealer, tu sais. Mais même quand tout le monde le disait, même quand il a attaqué Word Up, Word Up répondait, puis tout, j'étais encore dans le back à Moralo. Tu continuais de faire des gestes comme... Oh, whatever, whatever. T'avais décidé que ta fidélité était... Ouais, qu'on laissait tomber Word Up, puis qu'on continuait. Mm-hmm. Fuck it. Tu sais, j'étais ride or die avec Moralo, là. Mais quand il est parti avec l'argent qui était dans sa crise de chambre, là... Moi, ça a fait comme fuck that. Là, tu viens juste de me perdre. Là. Ouais. Parce que moi, je te faisais confiance avec ma paye. T'aurais dû parler à Joe King. T'as reçu hey, cette note. Justement, parler de Word Up, là, j'en ai parlé avec Dom Porter là, quand j'étais allé à Montréal, justement, mon opération. Il m'a invité chez eux, les fucking cool, le gars. Puis on parlait justement du prochain Word Up, puis on essayait de figurer si c'était pour être qui, genre. Word Up 14, tu sais? Ouais, puis c'est comme. On était comme, ah là, il peut pas ramener lui, il peut pas ramener lui. Là, on essayait de figurer, genre. Je sais pas, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, probablement qu'il va avoir suspecté contre Topeshi. Il faut qu'il y ait un SEO management. Ça peut pas être. Ben, comme ça serait cool que suspecté. C'est contre Freddy, là, tu sais. Ça peut pas être. Ça serait cool que suspecté. Que ça soit un SEO gros nom, nowhere, qui se pop, t'es comme, oh fuck, ok. Ça serait cool que suspecté. Comme qu'on fait avec Dramatique. Comme suspecté contre Topeshi. Si c'était juste co-main event, là, pis t'avais un battle plus gros que ça. Ouais, mais il n'y aura pas plus gros que ça en 2017. Faudrait qu'il y ait. Mais c'est ça, je dis à moi, il faudrait qu'il y ait un card dans rien, pis là, l'Opéchi. Comme, oh fuck, ok. L'Opéchi, son deal, c'est qu'il est big en anglais. Mais who cares about Fumilé en français, genre. Ouais, je comprends. Pour être honnête, genre. Pour être honnête, genre. C'est sa position, sa notoriété qu'il y a dans le battle rap qui fait que l'Opéchi est l'Opéchi. Pas parce qu'il est meilleur que les autres. Ouais, pas, certainement pas parce qu'il vend des billets, genre. Je sais pas. Ben, quand il est au Club Soda, ça marche. Viens me dire à date qu'il y en a pas un qui a marché dans les deux qu'il a fait. Ben, il y en a un, c'était comme Drama. Ouais, mais c'est plus Drama. Puis l'autre. C'est comme, il était pas main event, il a fini main event, mais c'est parce qu'il était supposé avoir Obia qui était main event. Mais il avait tout tué cette fois-là, là, le crowd t'en free. Ouais, mais c'est Crack a Star que le Ghost fait. Écoute, je sais pas si c'est vrai, en tout cas. Ben, selon le crack, c'est vrai. Hey, guys, comment est-ce qu'on peut boucler le caca? Y a-t-il une surprise qui nous a pas sorti? Ben, non, j'ai pas mal tout fait le tour, là, la semaine prochaine. On va boucler ça en rappelant que Caesar, c'est un gros gangster, là. C'est un gros vendeur de drogue. Oh, man. Oh, my God. En tout cas, si vous avez besoin de MDMA, de guns, de whores, vous appelez Caesar, il va vous hook up, genre. Admiral, c'est ta veille. Il la ville au complet. Il est ta veille de faire. N'importe quoi qui est illégal, tu vas avoir Caesar pour ça. Genre. Merci, Scap. Merci, Admiral. C'est un plaisir. Yes. J'étais content. J'étais vraiment Thank you, les boys, encore. C'était vraiment chill. Moi, je voulais vraiment parler que j'ai découvert Missa grâce à la série. Je viens de le faire. Missa. Nova aussi, man. Nova. Prêt! Peace! En série, le meilleur fucking podcast! Yeah! Yeah.